Hey, salut à tous, c'est Eronym, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live Minecraft sur les aventures de Nestari. Salut Crash, toi qui es avec moi ce soir. Bonjour. J'ai cru qu'il allait me foutre un vent. Non, heureusement il est gentil, ça Oui, ça marche bien avec le patron. Oh le salaud! Tu es viré demain! Demain, parce que j'ai besoin de toi ce Oh soir. non! Tyran! J'espère que ça va bien pour tout le monde. Merci LKG. Et renou chouchou. Et ruchouchou. Bon, du coup, comme d'habitude, on va mettre un peu de musique avant de lancer. Est-ce que vous savez que j'aime la musique? Est-ce que vous savez que j'aime la musique? Vous savez pas, hein? Eh ben, on peut en parler un petit peu avant de lancer. Non, je déconne. Quand même pas. Allez, bon. Éronyme, on dirait comme Rico. Ironium. Ah, Ironium, comme dirait Rico. Ah non, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Rico, dans le chat, il va prendre des baffes aussi. Bon, du coup, j'espère que ça va bien pour vous tous. Alors, je regarde ici. Voilà. Oui. Je vais vérifier que Sensei n'était pas dans les parages. Parce que je lui fais une infidélité ce soir. En fait, je prends Crash à la place pour faire le live. Non, je déconne. Sensei arrivera plus tard. C'est ça ce que tu dis. Donc, vous le savez, ou vous le savez pas, nous sommes actuellement en train de construire un serveur MMORPG nommé Les Aventuriers de Nestari. Parce qu'on aime bien les noms un peu tordus. Non, ça va encore. On aurait pu faire pire. Mais J'aime bien, je suis arrivé pile au moment où t'as balancé le message sur tellement le truc qui est absolument pas naturel. Bravo, bravo. Ah, pendant 2 semaines, t'as fait des progrès du moment où tu dis bonjour au chat et au moment où Oui. tu te connectes sur le serveur. C'est hallucinant! Sligle est là. Non, Sligle n'est pas là, on l'a pas vu aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes actuellement sur le serveur Les Aventures Nestari, qui n'est pas ouvert, je le rappelle. C'est pas ouvert. Pour une raison très simple, c'est qu'il est encore en construction. On a énormément d'éléments en fait encore à créer. Alors autant au niveau du build, vous pouvez le voir, c'est essentiellement ce qu'on vous montre durant ces lives, en plus des réalisations qui ont été faites depuis le live précédent. Et mon Dieu, aujourd'hui, il y en a pas mal. Et aussi, on vous montre un petit peu tout ce qu'on a fait, on vous raconte un petit peu l'histoire de ce pays absolument magnifique qu'est Nestari. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai cru Et que de tu allais ses me dire habitants des aussi. bisounours. Hop, on va augmenter le render distance parce que c'est mieux. Chronovale, où nous nous trouvons, c'est la capitale de Nestari, pour ceux qui ne le savent pas. Je précise, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois sur le live, qui sont tombés là par hasard. Ils ont trouvé un truc épique, ils ont fait. What the fuck? Voilà, c'est ça. Et puis, donc du coup, Nestari, c'est la capitale. Chronovale, c'est la capitale de Nestari. C'est une ville qui a été fondée par des personnes des exilés, voilà, qui fuyaient la guerre et qui ont décidé de s'installer sur ce tout nouveau continent dans lequel ils ont pu prospérer, du coup, faire leur petite ville et également partir en exploration. Et ils ont trouvé un lieu fort intrigant, les Terres Sauvages, donc un autre continent qui recèle plein de mystères, et c'est justement là où vous allez rentrer en scène en tant que nouveau joueur. Puisque vous allez être envoyé sur les terres sauvages pour explorer, découvrir les différentes... Enfin, les secrets de ce continent, et en apprendre plus sur son histoire et son passé, bien sûr. Voilà. Donc Cournoveil, c'est la ville où vous allez commencer, après avoir créé votre personnage. Et du coup, vous devrez choisir entre une classe... Oui, une classe, il y aura une race, un métier. Et voilà, bon, en gros, ce sera un MMO RPG des plus classiques, mais pas forcément sur Minecraft, parce que là, on vous propose quand même pas mal de changements au niveau gameplay. Et avec des sorts, etc. Enfin bon, tout le bordel. Enfin, je vais pas vous détailler, parce que c'est beaucoup trop long. En plus, la personne pour détailler n'est pas là, puisque c'est Dawa qui s'en occupe. Donc je suis le plus mal placé pour vous détailler ce qui se passe. Voilà. Pour le moment, je laisse un peu porter. Voilà. Build ou build? Build. Ah non, je suis désolé, c'est build. En anglais, ça se prononce build. Alors, moi je le prononce à l'anglaise. Sur Epicube, vous dites pas Shop Wars, vous dites Ship Wars. Alors pourquoi pas build? Ah.
putain, c'est énorme. Oh, Kérom! Wouh! Salut à toi, ça fait longtemps. Donc voilà, ça c'est la capitale en fait, c'est ce qu'on a construit. Alors en plus là je vous montre pas les détails parce que vous pouvez le voir si vous allez sur ma page Facebook. À chaque fois qu'il y a un live sur le serveur, je publie un screenshot qui a été pris depuis un endroit précis. Et justement, en fait pour le moment je n'ai publié que des screenshots de cette ville. Mais il y en a encore tellement qui traînent dans mon dossier que voilà. Merci Al Capul. Et je vous rappelle, ok, un petit bug de chunk, tranquille. Je vous rappelle que on recrute encore des builders, des rédacteurs pour le la story. Crash, il est en train de faire ça. Il lève les yeux au ciel. Il est à deux doigts de soupirer, je le sens. On recherche encore des rédacteurs pour la story. Pourquoi à deux doigts? Je l'ai fait, tout simplement. Lol. Et du coup voilà des constructeurs, donc du coup builder, rédacteur, décorateur, développeur, enfin codeur en général. Donc si jamais vous savez coder, bah, on est toujours ouvert. Et cobaye aussi, on accepte. cobaye, oui ça marche pas. Alors, alors pour répondre aux questions de Kérom, je vais répondre, c'est un privilégié lui. Alors, un site particulier, oui. Parce que j'ai été chercher sur le net, je suis tombé dessus, il disait qu'il y avait une jolie montagne en plein milieu. Et du coup j'ai décidé de... Est-ce que tu pourrais charger des chunks s'il te plaît? Merci, c'est gentil. Du coup, oui il disait une jolie petite montagne à côté, et je suis tombé là-dessus. Voilà j'ai pris plutôt au pif, et quand je suis tombé dessus je me suis dit ah ouais on va faire carrément une ville dessus. Combien de temps... Combien de builders en fait je peux pas dire parce que... Malheureusement, la team Nestari, ça a été un peu le bordel. C'est-à-dire que j'ai construit avec une première équipe de build où on était moins d'une dizaine dedans. On a construit toute la partie haute de la ville, donc toute la section que vous voyez là, qui est juste ici, là, en visuel. Tout ça, c'était construit par eux. Et ensuite, on a arrêté, en fait, parce qu'il n'y avait plus assez de personnes pour construire. À la fin, on était deux, en fait, à construire comme des gros tarés. Et ça avançait plus. Et ensuite, en fait, on a été à peu près une petite dizaine pendant un moment sur l'autre équipe. Donc il n'y avait que moi en commun avec la précédente équipe. Et ça a fluctué en fait, c'est qu'on est passé à 15, puis là, il n'y a pas longtemps, on était plus qu'à 5. Et là, avec les lives Epicube TV, merci Epicube, on est passé encore une fois à 15 builders. Et je sais qu'il y en a, mon dieu, encore au moins une dizaine qui demandent à venir. Mais là, actuellement, je suis un petit peu... Ah, il y a trop de personnes! Enfin bon, voilà. Et ensuite, le temps, on a pris un mois complet avec la première équipe. Et on a pris... Bah là, on a commencé fin décembre pour reprendre la ville où est-ce qu'elle en était. Et encore, là, Kérom, tu n'as vu que la première partie. Il y en a encore deux autres derrière qu'on a fait, qui sont à peu près à la même taille. C'est quand les nouveaux streamers, je n'en sais strictement rien, Redzok Gaming, c'est les patrons qui regardent. Patrons. Voilà. Vous étiez combien sur ça? Voilà, bah j'ai plus... Vous y allez au feeling? Non, tout est prévu à l'avance. Pas moi. Non, je déconne. Ça serait si c'était au feeling. Voilà, si c'était au feeling. Ah, on va bouger Sensei. Où est-ce qu'il est Sensei? Les patterns sont au feeling. Oui, ça c'est plutôt vrai. Salut Sensei! Salut Sensei! Alors, attendez, je vais juste augmenter le son de Sensei parce que j'ai remarqué en regardant les replays que il y avait des petits problèmes de son avec mes coéquipiers. Donc sinon, oui, les patterns sont en aléatoire, on va dire, on fait ça au feeling. Les patterns... Mais l'emplacement, c'est... Voilà, c'est indiqué selon les quêtes. Oui, voilà. En fait, on organise la map dès le début. C'est-à-dire qu'on la conçoit d'une manière... bon là, ça a été pour cette ville, ça a été plutôt la map qui nous a dit « Ok, on a moyen de faire des trucs ici, il faut terraformer un petit peu là. » Donc ça a été organisé, mais ensuite au niveau de l'architecture, par exemple les bâtiments, la forme qu'ils ont, ou etc. On a juste donné un pattern de base, et ensuite on pouvait réutiliser les éléments de ce pattern pour construire la ville. Mais il n'y a pas eu de trucs archi carrés où on a carrément designé à l'avant chacun des bâtiments, à la fenêtre près quoi. J'aime bien ça, à la fenêtre près. Je vais le noter quelque part.
Salut The Rafafael. Ah non mince, de The Rafafael. Dac, déjà c'est impressionnant que les patterns soient au feeling. Oui, enfin le pattern global il est quand même déjà prédéfini, hein, comme on a dit du coup. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la zone agricole. En fait, elle est tellement un petit peu juste. Tu vois, il y a une petite bordure et puis elle a la limite quoi. Donc du coup, j'ai tendance à la zapper, mais pourtant c'est une de mes zones préférées dans la ville. Oui, la zone agricole. Toutes les autres zones que j'ai construites, je les aime un peu moins. Une jolie petite zone agricole, donc sympathique, avec quelques petites fermes, des champs, tout ça en bordure dans des déserts. Alors voilà, Tartas donne les liens pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Ça se passe sur les Twitter et Facebook de Nestari, ou le mien si vous voulez, mais bon, ça c'est pas obligatoire. Hein. Je préfère quand même que ça se passe par celui du serveur. Ah, mon dieu. Hop là. Du coup, on va se rendre dans la première zone des terres sauvages, donc là c'est la zone de quête, sachant qu'en fait vous allez avoir un personnage qui va monter du level 1 au level 50, donc du petit noob au gros PGM. Et donc, Leyden sera la première zone des terres sauvages dans laquelle vous allez atterrir. Vous voyez, vous avez même un petit message d'accueil quand vous arrivez. C'est mignon. C'est mignon, on a mis un petit message, c'est gentil. Bienvenue. À Leydenwood, ça va être dit, ça va être « Allez vous faire foutre !» Voilà. Donc voilà, c'est pas du Epicube, c'est pas sur Epicube, c'est sur les aventures de Nestari, c'est un serveur qui est en construction actuellement. Donc Leyden, c'est un magnifique petit village au cœur d'une petite vallée sympathique, avec un petit problème de monstres. Ils ont tendance à envahir un petit peu la zone. Vous voyez, déjà en bas là, ça pop. Vous voyez les petits points, c'est des monstres. Et encore, il y a une époque où il y en avait trois fois plus. Il faut encore qu'on règle ça. Du coup, il y aura une série de quêtes qui vont vous mener jusqu'ici, jusque dans les terres sauvages, car il y a des expéditions qui ont été envoyées pour... Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. Pour explorer cette région encore inconnue du monde. Et donc... Pardon, excusez-moi, c'est vraiment très gênant. Et donc vous allez vous retrouver à explorer cette petite zone pour monter jusqu'au level 5 et accéder au donjon. Parce que nous avons un donjon dans cette zone. Qui s'appelle les Tréfonds de Leyden, c'est une immense grotte. Est-ce qu'on va leur faire visiter ou pas, Sensei? Tu penses que c'était une bonne idée? Ouais, pourquoi pas. Voilà, parce qu'on en a chié sur ce donjon. Non, en fait, je vous explique. Samedi, on avait encore le donjon qui n'était pas terminé. Dimanche, il était fini. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous a rejoints depuis Epicube TV, d'ailleurs merci à eux. Hein. Ils sont... attendez, hop, je vais montrer un peu leur pseudo. Il y en a qui sont là actuellement, il y en a d'autres qui sont pas encore arrivés. Mais en tout cas, merci à eux parce que franchement, on n'aurait pas avancé d'un seul coup aussi vite sans eux, c'est sûr. En plus, il y a encore énormément de choses qu'on a à faire. Donc là, vous aurez deviné que c'est l'entrée du donjon. Et on va aller vérifier à quoi ressemble ce donjon. Hop là. Juste prendre une petite boussole, ça servira pour rentrer dedans. T'as un cerf qui recrute, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, donc là c'est le donjon, c'est une immense grotte que vous allez pouvoir explorer en groupe de 4 à 6 joueurs, normalement, a priori, selon ce qu'on a prévu, ça sera comme ça. Donc je vous avoue qu'on, vous avez vu l'extérieur, on a dû tout faire à la main. La grotte a été designée, l'extérieur a été designé 100% à la main. Et je vous avoue que ça a duré un petit moment. Heureusement les donjons suivants sont moins chiants à faire. J'espère. Vous aurez donc des mini-boss à battre, des parcours à faire. Donc du coup vous pourrez faire du parcours. Pour ceux qui aiment le parcours, venez demain soir sur Epicube TV, ça sera sympa. Ah, ça y est, je me suis déjà planté. C'est cool hein. En plus, j'ai fait 10 000 fois ce parcours. Donc là, il y aura du parcours, il y aura des labyrinthes, des énigmes, redstone, il y aura d'autres mini-boss à battre.
Il y aura également des éléments cachés dans ce donjon. Ah ouais, je spoil un petit peu, mais bon, voilà. Comme ça, vous avez une petite information. Il y a un élément caché dans ce donjon, une récompense cachée que vous pouvez trouver si vous êtes suffisamment perspicace. Voilà. J'allais dire malin, mais bon, plus perspicace que malin. Voilà. Ça a duré toute la journée. C'est vrai que le donjon... Ah, quoique non, il n'a même pas duré toute la journée en soi. On a bossé une bonne partie de la journée, mais pas que. Voilà, donc ça, c'est les tréfonds de Leyden, le premier donjon que vous allez pouvoir explorer. Il n'y a pas les mobs, évidemment, hein, sinon ça aurait été un petit peu trop dégueulasse de vous montrer... en fait, tous les éléments du donjon. Et là, vous avez la salle du boss. Allez, laisse-moi rentrer, merci. Donc la salle du boss, qui sera un boss araignée, je vous spoil. Pas bien. Très beau serveur, merci beaucoup, du coup, The Flame. Merci. J'arrive pas à lire, merde. Chat qui est trop petit. On a mis 70 heures à faire les murs étalés sur plusieurs jours, heureusement que Sensei avait fait le sol. Dis-moi la récompense en privé. Je ne sais pas quelle sera la récompense, ça va être aléatoire. C'est un loot de donjon. Voilà, le serveur n'est pas ouvert. Pourquoi? C'est quoi Serratin? Serveur, c'est ça que tu veux dire? Du coup, on va vous montrer... Alors ça, c'était Leyden, donc la première petite zone du level 1 à 5. Donc je vous ai dit, level 50 sera level max. Et je vais vous présenter la prochaine zone qui est... Nightenwood. Oui, Nightenwood, hein, un peu vachement dark. Tout est dans le nom. Nightenwood. Découpé, si vous savez parler anglais, c'est bon. Nightenwood, en fait, c'est une zone complètement à l'opposé de Leyden. Enfin, à l'opposé, pas géographiquement, hein, mais dans le style, c'est complètement à l'opposé de Leyden, parce qu'en fait, on est dans une dark forest. On a une partie marécage, en fait, qui est complètement submergée par les arbres, et une partie dark forest au nord de celle-ci, qui est, enfin, juste gigantesque. Je pense que Kerom, ça lui fera plaisir, ça lui rappellera un petit peu WoW. D'après ce qu'on m'a dit, il y a une petite ressemblance avec certains éléments. Donc voilà, là c'est Nightenwood. Oui, je sais, c'est sombre. Je vais prendre ma petite popo. Voilà, c'est moins sombre. Et du coup, à Nightenwood, en fait, il y a des petits relents de nécromancie. Vous allez rencontrer des squelettes, des zombies et quelques araignées qui vont venir vous pincer les doigts et vous foutre des flèches dans la gueule. Sachant que vous allez également avoir quelques witches qui traînent par là, évidemment, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Et putain, j'ai bugué. Le cerveau fait... Excusez-moi. Wow. Dur ce soir. Ça va aller. Tout va aller. Tout va aller très bien. Du coup, en fait, les êtres humains de cette zone, les aventuriers qui l'explorent, ont dû se retrancher dans des camps plus ou moins fortifiés. Vous voyez ici le camp principal, qui n'a pas encore de nom. Pardon. C'est bien de le préciser. Il y a également d'autres petits villages... Et quelques lieux abandonnés que vous allez pouvoir explorer avec des quêtes secondaires. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas qu'une seule ligne de quête. On vous a fait plein de quêtes secondaires. On travaille encore dessus parce qu'on a encore plein d'idées d'ailleurs. Même avec l'équipe qui est arrivée, il y en avait plein qui avaient des idées. Du coup, c'est là... Trop d'idées. Est-ce que le serveur va utiliser un ressource pack? La réponse est là. En fait, actuellement, on construit absolument tout avec le ressource pack John Smith Legacy. Et du coup, comme on avait commencé à construire Chronovale avec, on s'est dit qu'on allait continuer à l'utiliser. Au départ, on se disait que ça allait pas être obligatoire, que ça allait juste être conseillé, mais je pense que finalement, le but, ça va être d'utiliser ce texture pack parce qu'on a vraiment construit le serveur avec. Ça serait stupide, en fait, de vous dire d'utiliser un autre texture pack parce que ça rendrait moins dans le style de ce qu'on a demandé, enfin, de ce qu'on a voulu. Ne serait-ce que, bah voilà, un exemple tout con, je vais vous montrer. Les peintures. Voilà, là il y a des épées, là il y a des marteaux, des tournevis, là il y a des documents. Si vous prenez pas le texture pack, vous allez pas voir ça. Donc du coup, voilà, on est un petit peu obligé quoi. Sinon, Eru, tu vas juste à Leyden, t'enlèves ton pack de ressources, tu regardes le sol et là tu essayes des yeux. Ça marche aussi. C'est sûr. Parce que là je sais très bien que si j'enlève le pack de textures, le rendu sera beaucoup moins bon. Et oui.
Alors. Salut Foulni la banane. Je suis désolé de pas vous répondre à tous. Le problème, c'est que vous êtes tellement en train de spam. Quels sont les kits? Les kits. Quels kits? Il y a des classes et des races qui seront disponibles. Et des métiers aussi. Donc, si tu entends, si tu veux savoir les kits, voilà, je pense qu'on est plutôt sur cette idée-là. Bah, je peux te répondre sans, avant que tu me répondes, en fait. Possible de voir sans le pack. Oh, c'est moche. Oh, que c'est moche. J'ai plus l'habitude d'être sur ce serveur sans texture pack. Autant sur Epic Cube, voilà, j'ai testé, je me dis, voilà, ça marche, tranquille. Mais là... Encore, c'est pas si moche que ça, mais bon. C'est juste que le rendu est vraiment pas le même. Là, je vois, par exemple, les mélanges de bois de différentes couleurs. C'est juste une super mauvaise idée avec le texture pack de base. Parce que là, le chêne et le chêne et le sapin se marient tellement pas ensemble, quoi. Enfin, le chêne est tellement plus clair, en fait. Il ressemble au bouleau, en fait, de John Smith Legacy. C'est ça. C'est la même couleur. Ça fait bizarre, hein. Enfin, je sais pas, Sensei, si tu regardes. Voilà, regardez. Là, il y a du boulot. Ouais, je l'ai enlevé aussi. Ouais. Ça fait bizarre. Ah ! Ah ! Laissez-moi reprendre mon pack. Alors, moi, je voulais qu'Irini me dise bonsoir. Ben oui, ben bonsoir. Ça reste pas si mal, mais c'est vrai que c'est... Tu vois moins le souci du détail. Ouais. C'est sûr, parce que là, enfin, en plus, tes textures de Minecraft sont très uniformes, malheureusement. Et du coup, voilà, enfin, regardez-moi ce joli boulot. Le boulot dans ce texture pack, regardez-moi ça, c'est un patchwork. Le machin, il y a plusieurs teintes différentes dans le même bois. Idem, le chêne, voilà, il y a plusieurs skins différents, du coup, c'est quoi. Enfin, c'est génial, quoi. C'est pour ça que ça rend aussi bien. Ah oui, je vais baisser un petit peu le... dans cette zone, il faut baisser le render distance, sinon il y a un problème. Très rapidement. Malheureusement, en fait, il y a tellement de feuilles et d'éléments dans la zone que du coup... FPS voilà. Il y a moi qui ai des latences. Non, c'est... c'est moi qui frisais un petit peu. Du coup, ça c'est le campement qu'on avait fini avec Sensei durant le dernier live, samedi. Maintenant, on va vous montrer tout ce qui s'est passé depuis samedi. Parce que, oh mon dieu, voilà, et là on peut remercier tous ceux de l'équipe qui sont arrivés récemment. Alors le déplacement c'est normal, hein. J'utilise ma boussole, je suis pas fou. On avait commencé la base d'un petit village qui se situe totalement à l'est de la zone, qui était un petit peu reculé, et bien on l'a terminé dans la journée. Voilà, le dimanche on a fini cette zone. Voilà, il est ici. En plus, on a mis un beacon exprès. Donc voilà, notre petit village qui est un peu isolé. Il avait sa petite place. On a fait des petites barricades sur les côtés pour protéger un petit peu les maisons. Voilà, comme on avait vu durant le live. On a fait une petite tente de chasseurs avec... Attention, attention. Solarius, c'est ton moment de gloire. Avec un piège à lapin, un collet. S'il vous plaît, il a attiré le lapin avec des carottes. Voilà, du coup le piège à lapin. Merde, pourquoi est-ce que je suis... Mince. Eh ben non, tu resteras dedans. Voilà, donc du coup le piège à lapin. J'aime bien, je voudrais monter le piège à lapin alors qu'on a fait des maisons à côté qui sont magnifiques. Qui sont vraiment dans le style de cette zone. Tout en bois, contrairement à ce que vous avez pu voir sur Chronovale. Le live bug pour moi. Mince. Qui est celui qui parle? C'est Erunim. Ouais. GG à toi, Solarius. C'est vrai qu'il est très bien, ce piège à lapin. Du coup, ils ont même un petit potager, une petite place, et donc ils sont à peine quelques-uns dans ce village. Y compris une petite maison un peu isolée, que vous aurez l'occasion de visiter durant vos quêtes. Si vous allez jusque là-bas. Évidemment. Ah, il n'y a même pas les fenêtres, quoi. Ah si, c'est bon. Je me disais, il n'y a même pas de fenêtres, mais c'est quand même un peu dingue.
Non, c'est bon. Du coup, vous aurez l'occasion de visiter cette maison durant vos quêtes secondaires. Tadadam. Du coup, je vous conseille de passer à ce petit village qui sera fort sympathique pour les quêtes secondaires. Ah oui, en plus, j'aime bien parce que je fais le truc qu'on a fait en premier, mais en fait, qui est carrément à l'opposé de ce qu'on doit aller voir ensuite. Ouais. Bravo, bravo. C'est... Le sens de l'organisation ici, il est tellement haut. Le live a été préparé, bien sûr, hein. Ça a été fait exprès. Tout a été fait exprès. J'ai fait exprès de perdre 5 minutes. En fait, on n'a rien prévu pour ce live. Les nouveaux, ils ont tout fait. On n'a plus le temps de prévoir ce qu'il faut faire. Ils bossent trop vite. Voilà, ils bossent trop vite. On prévoit un truc à construire. Dans les 5 minutes, il est fini. Et là, on est là, mais laissez-nous le faire. Mais non, en fait, on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. Non, ils sont motivés, ça fait plaisir et c'est ultra agréable de bosser avec eux. Franchement, merci à eux. Promis, jusqu'à samedi, on mettra moins de coups de fouet et ils bosseront moins vite. On met même pas de coups de fouet, tu déconnes. J'ai même pas sorti le fouet. Il est rangé là sous mon bureau. Je le savais. Là, c'est réservé qu'à moi. C'est triste. Hop, et l'autre élément qu'on a fait dans cette map, bah là, on est si loin que ça, allez, j'arrive pas à viser. Dépêche-toi sur nous sinon. Oui, je suis là. Chut, j'ai réussi à retrouver. C'est pas des astuces. C'est la scierie en fait de cette grande zone. Oh, cool. C'est la scierie de cette grande zone en fait qui est. Bah évidemment, puisque on est dans un immense bois. Ils ont besoin de bois pour construire de matériaux pour construire leur baraque. Et donc ils ont décidé de faire une énorme scierie mécanisée de manière à pouvoir débiter du bois en masse et pouvoir construire de nouveaux bâtiments. Éventuellement des tours de guet, etc. pour pouvoir prévenir l'arrivée des mobs. Voilà. Tellement hâte de débarquer sur votre channel en mode yay et derrière me tailler. Ouais, sauf que tu peux pas. Hey. Ah merde. Voilà. What the fuck? What? Et non, c'est pas Lotus, c'est Dawa, mais c'est bizarre ouais, que voilà. C'est pas une coïncidence, hein, j'ai lu le message. Salaud. Il a calculé son entrée exprès. Ah j'ai le mec. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à toi Dawa du coup. Ouais. Et alors pour les gens sur le stream, il vous a dit bonsoir. Ah ouais, parce que du coup on entend pas beaucoup. Ah, maintenant les messages Twitch sont mis dans le... Bah, normalement c'était censé être fait de base. C'est juste qu'il y a eu des bugs et que bon, c'était pas efficace tout le temps. Donc... D'accord. Parce moi j'ai gardé les deux côte à côte au cas où. Mais de toute façon, il y a tellement de trucs à lire que je peux pas le faire. Mais non, mais je suis en 3G donc... Allez vous faire un texture pack à télécharger directement par le serveur. Probablement, pour les skins d'armes et d'armure oui. En fait. Voilà. Je l'avais déjà fait, mais ça marche plus parce qu'on est passé en 1.9. Voilà. Du coup, je vais le refaire. Mais oui. C'est beau. Vraiment oui. Beaucoup tard. Voilà. Goony, ils préparent un jeu, ils font quoi? Oui, actuellement on prépare un MMORPG en fait. Sous forme de serveur. Ça va pas bien. On prépare un serveur MMO quoi. Oui, mais bon, enfin voilà. Ah, si ma voix lag ou si je reçois mal les messages. Non, c'est bon. Non, mais plus tard parce que je sais pas si ça va. Si ça va continuer. Nestari lit ce message. Mais je suis pas Nestari. Nestari maintenant tu l'es. C'est le serveur Nestari. Ouais. C'est le serveur. Les aventuriers de Nestari, c'est pas mis en gros là. Ah oui, c'est vrai que quand c'est sombre, vous voyez pas. Et du coup, en plus, on a retapé une partie des chemins, des routes. Parce que malheureusement, il y avait un petit problème lors de la génération de la map. Enfin bon. Lors de la création de la map, c'est que les arbres ont quand même pop sur les routes pour une grande partie d'entre eux. Donc voilà. Y'a quelqu'un qui fait coucou, ça va, c'est enfin fini, c'est pour demain alors. Peux-tu baisser la qualité du live? What? J'ai pas vu le message. Tantôt. Ça va, c'est vrai, c'est enfin fini. Non, ah, pas du tout. En fait, pour vous expliquer, les terres sauvages sont composées de 7 zones. Cette région, et là on est à peine à la deuxième région, on n'a même pas fini la région en elle-même. Sachant qu'il y aura évidemment une période d'alpha, comme on en a parlé durant les précédents lives, pour ceux qui voudront tester le serveur et faire des retours sur le contenu.
Si jamais il y a des bugs, etc. Enfin bon, c'est la période assez importante. Ouais, donc oui. On va sortir une alpha. Voilà. On sait pas quand. Une alpha qui sera fermée. Ça sera sur parce candidature. On peut pas accueillir tout le monde d'un coup parce que vu qu'on ne sera pas beaucoup dans le staff et qu'on n'est pas vraiment habitué, on a en ce moment du mal à gérer tout le monde en même temps. Du coup, on va restreindre l'accès en premier temps. Le temps qu'on s'habitue et qu'on trouve du monde, etc. On va ouvrir au public. Alors, c'est bien de vouloir s'inscrire pour l'alpha. Vu que c'est pas tout de suite, pour d'y penser maintenant. Quoi. Pour l'alpha, en fait, Kérom, ça sera mis sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous, enfin qui sont juste là plutôt. Comme quoi, il y a l'alpha qui est ouverte et il y aura des formulaires de candidature en fait pour pouvoir venir. Ah, que ton live est trop beau, Eru. Ça fait laguer des gens. Il y en a même un qui s'en va. Oui, je sais, je suis désolé, franchement, mais là, je peux pas te dire grand chose, c'est juste la qualité standard des lives. Je peux pas la baisser. Déjà, je peux pas la baisser en plein live, hein. C'est impossible. Sinon, je suis obligé de couper le live et de le relancer. Et ouais, en plus, malheureusement, c'est la qualité standard qu'on a mis sur Epicube TV. Donc, c'est-à-dire que tous les lives sont au même niveau. Ouais, d'accord. Bon, et encore, vous avez de la chance que je stream pas avec ma connexion de fou, hein, parce que sinon, là, il y a personne qui peut regarder. Mais bon, ouais, là, j'ai restreint, je suis à 1,8 mégas qui sont envoyés. Unium lit son message. Oh le salaud. Ah, pour un écrire mon pseudo, on en reparlera après. Ouais, voilà. En tout cas, merci d'être là pour le live. On a quand même passé une petite demi-heure sur la présentation, mais c'est pas grave. Il y a des rabat-joie. A plus. Voilà. Je donne les consignes en même temps à l'écrit à ceux qui sont sur. Chercher à up la qualité tout à l'heure, alors la baisser. Comment ça, il est pas beau mon live? Non mais. Ouais, c'est vrai que là. Rigole-le ton live. Après, je pense qu'autour de la Syrie, là, il reste encore aussi autre chose à faire, c'est faire continuer la route en fait, tout simplement. Qu'on ait une continuité entre la route et l'intérieur de la zone de la Syrie, donc essentiellement des passages pour chacun des miradors, la route qui va de chaque côté, etc. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on va encore avoir à faire sur cette série. Elle n'est pas terminée, il y a encore beaucoup de détails à rajouter, je pense. Parce que c'est quand même assez régulier au niveau du toit, par exemple. Faut voir pour retoucher, essayer de faire en sorte qu'il soit un petit peu plus. Bye bye à celui qui s'en va. The Flamio. Merci. Merci d'être venu. Coucou Tom Toms. Moi je vais répondre par écrit parce que je m'entends pas. aussi pour préciser, ceux qui sont sur le chat Twitch ne voient pas les messages du chat Epicube. Donc du coup si tu réponds sur le chat Epicube, il y a que ceux d'Epicube qui le voient. Donc tous ceux qui sont sur Twitch, je vous conseille fortement de partir sur le site d'Epicube. Donc epicube.fr/webtv, webtv, c'est ça. J'imagine qu'on peut pas envoyer le lien. Non, tu peux pas l'envoyer. Ah si. Moi je peux l'envoyer là, mais du coup ça sert à rien parce que les gens Twitch le voient pas, donc bon, on s'en fout. Oui, exactement. Et du coup c'était totalement débile. Tu pourras pas l'envoyer de l'autre côté. Kossi, est-ce que tu pourrais éventuellement l'envoyer? On entend pas si mal ton ami. Ah mais j'ai monté le son à fond. En fait là, vous vous rendez pas compte, mais il me perce les tympans depuis tout à l'heure. Coucou. Rien coup d'avoir. Ah, en vérité. Voilà. On est très mal. Dans l'ancien live. Enfin, l'ancien, celui d'avant. Moi je t'entends d'avoir. Oh oui. Regarde ça, t'as dit un truc, c'est ils ont déjà commencé. Ah merci. Okay. J'adore, hein. j'ai dit un truc. Solarius et Darkfall l'ont entendu sur le live, c'est bon, ils sont partis. J'ai dit un truc, c'est bon, ils sont partis, voilà. Vous voyez, comment vous voulez qu'on puisse faire un truc sur ce serveur? Je dis une chose, je suis même pas dans leur channel, et tout de suite ils sont au courant. C'est connexion. Genre je troll parce qu'honnêtement c'est une très grosse aide bien appréciée. Du coup voilà, bon, je comptais pas faire les chemins aujourd'hui parce qu'en fait on a encore beaucoup d'éléments à créer sur cette zone de Nightenwood parce qu'elle est, en fait, pour vous expliquer, Leyden en tant que région est ronde, déjà c'est une région ronde qui a un diamètre de 600 blocs, c'est pas très grand. Nightenwood, c'est grand. Ça c'est Leyden. Ça, c'est Nightenwood. Voilà, donc Nightenwood fait du 3500 blocs sur 2500. C'est juste. Et un tantinet plus grand. Voilà, c'est tellement plus grand.
Voilà, je sais plus à combien on en est, on a plus de 8 milliards de blocs de surface carrée, quoi. Là, t'es là. Pourquoi vous avez mis des smileys doigts majeurs? J'en sais rien, ça, j'en sais aucune, j'en ai aucune idée. Par contre, c'est bien de le préciser. Ouais. C'est bien de le préciser pour le développement. Je sais même pas si on peut les activer ou désactiver. Bon, on voulait faire d'ailleurs. Aucune idée. Ça va poser admin. Oui, mais il faudra faire remonter ça. Du coup, Sensei, Crash, venez avec moi. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'idée. Dans la partie sud de Nightenwood, en fait, on a plusieurs éléments intéressants qui sont pas encore construits et qui seront importants pour la story principale. On a le camp des chercheurs et les ruines qui sont juste au nord en fait de la Syrie ici, donc ils doivent être par là-bas. Ou alors, on a la tour en ruine et le camp des aventuriers juste avant le donjon du manoir des nécromanciens. Et je vous avoue que je sais pas lequel on va faire. Donc, c'est quoi le plus près des bûcherons? Le plus près des bûcherons, c'est les ruines et le camp de chercheurs, mais il sera très simple à faire en fait, mine de rien. Enfin, c'est très petit quoi. Bah, c'est parfait pour le live alors, c'est vite fini. Ok. Bon, sur le live, vous débattrez plus tard. on va voler au-dessus des arbres, histoire de pouvoir avancer plus vite. T'as sonné? Dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Allez, je parle d'un nez alors bon. De ouais, mon nez, à proprement parler. Alors, vous aurez remarqué que les montagnes sont magnifiquement bien designées pour être des bords de map. Oui, je vous déconseille fortement. Grand vide. Je vous déconseille fortement de passer de l'autre côté, puisqu'il n'y a rien en fait. Il y a juste le vide. Il n'y a rien sur plusieurs blocs, hein, ensuite. Il y a le bug du logiciel. Génération de map. Attendez, j'essaie de retrouver la route là parce que ça semble bizarre. Oh, tiens, j'ai la commentaire. Merci Wisebot. Merci Wisebot. Ouais. Merci quand même. C'est des schématiques d'arbres. Exactement. Alors, oui. C'est-à-dire que ce sont des modèles prédéfinis que je pouvais télécharger sur. C'est dingue ça, j'arrive pas à retrouver le... Ah, si, je l'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé un truc, là. Sensei est dessus. On était tous dessus, en fait. Ouais. Je vais essayer de me courir. Voir si je lag pas trop. Campement des chercheurs. Donc, en fait, la petite histoire, c'est qu'il y a des chercheurs qui sont ici. Je pense qu'on va en mettre deux, hein. Ça ne sera pas nécessaire d'en faire plus. Qui explorent ces vieilles ruines, qui sont en fait les ruines de la civilisation qui a autrefois existé dans les terres sauvages. Voilà, oui, c'est des schématiques d'armes, oui. Hey Jav, tu vas bien? Oh, il y a Jav. Du coup, on a d'un côté les ruines, en fait, où il y aura une exploratrice, oui, parce qu'on aime les femmes, une exploratrice qui sera... on aime les femmes. une exploratrice qui sera du coup perdue dedans, il va falloir la retrouver, évidemment, la sauver de quelques mobs qui apparaîtront, voilà, totalement au hasard. On sauver du grand méchant loup. Voilà. Et donc son collègue en fait sera à l'extérieur, apeuré et évidemment impuissant. Donc c'est lui qui va nous dire qu'il faudra aller chercher l'exploratrice dans les ruines. Et c'est important puisqu'elle nous aidera pour la réalisation du premier donjon. Enfin, l'accomplissement du premier donjon. On manque un peu de femmes, lol. Ben, n'empêche que quand il y en a une qui part, généralement on arrive à la remplacer très vite. C'est bizarre. Collègue faiblard. Haute modestie. Hop. Du coup, je vous propose de commencer par le camp. Non, je sais pas en fait. Parce que le camp, ça va être basiquement deux tentes comme on en a fait au camp des soldats. Donc ça va rester quand même très simple dans la réalisation. Ne vous inquiétez pas pour les arbres au milieu de la route, hein, ils vont être dégagés au fur et à mesure. Bientôt, bientôt. Je suis Jeff, no spoil. Lol. Il y a tellement de... Je sens un petit peu de manque de modestie pour toi. Donc, venant de toi, Jeff. Oh là là, pff.
Je suis un peu au ralenti ce soir. Autant la semaine dernière, je pétais le feu à 200%, mais là, c'est les batteries qui sont mortes. Hop. Du coup, on va faire deux tentes, un feu de camp, non, quelques... c'est pas ça. Yeah, non, pardon. Non, rien, très bien. Je vais on va faire deux tentes, un feu de camp. D'ailleurs, je pense qu'on va plutôt les faire ici. Il y a de la place. Deux tentes, un feu de camp, quelques coffres pour stocker les affaires, faire des sortes de barils, entre guillemets. Faudrait trouver un modèle pas dégueulasse. Et puis on y go. Ah, Sensei, t'en penses quoi? Ça devrait être suffisant, je pense. Éventuellement un stand d'alchimie, peut-être, et une petite table d'enchant. Ouais. Ouais. Non, t'as pas l'air convaincu quand tu dis ce mouet. Si. C'est clair, il est en train de réflexion. On fait des tentes assez larges, je pense, pas comme les tentes des soldats. Hop, on va prendre nos petits blocs. On va partir sur du vert et du marron, je pense, encore une fois. Tout simplement parce que c'est plutôt bien pour se camoufler au milieu des arbres. Merci, Rue. Je sais. Pour cette précision. Chez Kajav. Lol. Hein ? Yop là, yop là, yop là. Et là, je me sens nul parce que je sais pas très bien faire les tentes. Je suis vraiment une quiche quand j'ai envie. Nom de Dieu. Restez là, j'en reviens. Ok, bye. Alors, excusez-moi. On va faire une pause. Ah non, c'est... Si, c'est par là. Je vais faire une pause et je vais aller voir un truc. Je vais aller voir les tentes qu'on a fait en fait au camp parce que j'ai complètement oublié quelle gueule elles avaient. On a fait des carrés, des bons carrés. Ok, bon, je vois un peu le genre. C'est vrai que c'était comme ça. Malheureusement, si on les fait plus larges, parce que bon, moi j'aime bien les chiffres impairs en construction, ça évite beaucoup de problèmes d'agencement. D'arrangement, j'allais dire. C'est du 5 sur 5, hein, c'est ça? Ouais, bah ouais. Je pense qu'on va faire les mêmes. Enfin, dans le même genre. Hop là! Ah ok, non, carrément, Sensei lui veut faire plus grand. C'est vrai que si on met les éléments à l'intérieur et pas à l'extérieur, oui. En fait, ce que je me demande, c'est s'il y a assez de place pour en mettre deux. Là, c'est un peu collé, là. Faudrait peut-être détruire 2-3 arbres. Ouais, mais de toute façon, cet arbre-là, ici, va dégager. Celui-ci là il va dégager, c'est sûr. Darkfall, je te vois. Ah, tu es là. Viens ici. On a besoin de quelqu'un pour péter les arbres. C'est vrai, il y a des arbres à casser. Attends, j'arrive. Oui, parce qu'il y en a qui se font une petite spécialisation. Oula. Siri, bûcheron. Je peux. Casser. Oh, bon, t'as un BG, ça va plaire ça, Jav. De quoi. Du coup, il y a peut-être moyen aussi, par contre, d'encore agrandir ici, en fait, la place disponible. Oui. Évidemment que ça va plaire. Quelle question à la con. Jav lui-même, il est déjà inscrit pour l'alpha, vous vous rendez compte? Trop de hype. Trop de hype pour ce serveur. Hop là. Oh, merci à toi, grand Jav. Te rends compte, il a presque l'âge de Sensei. Presque. Ah, deux, trois petites choses près. Ah non, presque. Presque, presque. Presque, presque. Ok. Bon, du coup, Sensei, je te laisse faire le modèle de tente que tu voulais faire. Et ensuite, on verra pour le reproduire. Ouais, j'ai testé ça. Jav, il a 19 ans. C'est-à-dire que nous, on fait ça et puis ça pour regarder Sensei, c'est ça. Oui. Par contre, il faut encore couper un peu les feuilles en attendant qu'il est fini.
Oui, je sais, c'est pas passionnant de faire le bûcheron pendant la live, mais bon. Vous inquiétez pas, tout était prévu. Non, j'avais prévu de faire cet élément-là en live, parce que bon, ça c'est intéressant, c'est pas trop long, parce que je vous avoue que quand on a des trucs qui prennent 5 heures à faire, ouais. Il y a aussi beaucoup de bâtiments en fait qui demandent, mine de rien, un minimum de coordination. Donc on peut pas trop piloter par chat interposé. On fait ça à l'audio quoi. Ah le jab. Non, Jav c'est un genou. Ah là, je me sens tellement vieux. Je me sens tellement, tellement vieux. Mais non. Mais ouais. Si. Pense à celle-ci. Ah, même toi, Crash. T'étais pas obligé de le dire, ça. Ça l'aurait arrangé, je pense. Carrément. Il y avait des filles dans l'assistance, là tu viens de tous les niquer quoi. Non, pardon, voilà. Justement. Regardez, moi. C'est pas moi, c'est Yoru. Ça allait vite, hein, d'abord. Écoute, écoute, fais comme on peut. Hein. C'est le succès, hein, qu'est-ce que tu veux. Dis-nous ton secret. Tu veux voir mon gros serveur Minecraft. Tu veux voir ma grosse config. Tu veux voir ma grosse collection de briques. Ça va un peu loin là, non. Hein, t'en penses quoi? Ça c'est parce que je suis en rue, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je pense une forme comme ça est rue. Ouais. Et il faudra faire peut-être éventuellement, tu sais ce qu'on avait fait sur les autres tentes, des trous et mettre des barrières à la place en guise de fenêtres. Ouais. Enfin des ouvertures. Puis même le vert, on va pouvoir alterner un peu avec du vert un peu plus clair. Oui, aussi. Ah oui, parce que toi t'as pris le vert. Oui, t'as pris le vert plus foncé, pardon. Tiens, il y a Fefe79 qui nous dit je suis nouveau ou nouvelle, je sais pas, et demande t'expliquer ce qu'on fait. Enfin, alors, ouais, on casse des trucs, bon, c'est pas passionnant. On fait des bêtises. On joue à Minecraft. Ouais, non, mais bien. Non, voilà. On des filles. Voilà, on est actuellement en train de construire un serveur MMORPG qui sera ouvert de manière publique dès qu'il sera fini. Ah, ouais, voilà. Il est pas encore ouvert. Il pas quand. Hein. Voilà, donc on n'a pas de date précise étant donné qu'il faut qu'on finisse énormément de choses. Et en fait, ça peut être boosté ou ralenti en fait selon les bons vouloirs de l'équipe et aussi selon ceux qui veulent intégrer le projet, qui sont volontaires donc du coup pour venir aider. Donc voilà, donc pour le moment on a encore beaucoup d'éléments à faire, mais je vous avoue que c'est plutôt en bonne voie pour se faire d'ici cet été quoi tout simplement. Croisons les doigts. Croisons les doigts, oui. Je me suis tellement avancé là, d'un seul coup. Oui, j'ai fait une boulette en fait. Fallait pas. Merde, j'ai fait une boulette. Voilà, tu t'es tellement avancé que tu nous portes la poisse et que tu fais des conneries. Oh. Ah oui, oui. Voilà, je ralentis le projet, j'assume. C'est à cause des gens comme toi qu'on peut pas bosser. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Tu veux que je sorte, c'est ça? Voilà donc Fefe, si j'ai répondu à ta question. Si. D'ailleurs, attends, je suis en train de regarder. Ah, en effet, Fefe, ça fait un moment que t'as publié ton message. Je vois par rapport au chat Epicube, waouh, ça fait un sacré temps. J'adore quand ce genre de situation se présente où je viens d'expliquer ce que je fais et quelqu'un arrive et me pose la même question. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a quelqu'un qui vient de rejoindre qui vient de poser exactement la même question. Voilà, actuellement on est en train de créer un MMO. On est en train de créer un MMORPG sur Minecraft, un serveur qui n'est pas encore ouvert, qui sera évidemment public et gratuit. En pas de période. Et pas gratuit, il faut acheter le jeu. Il faut acheter le jeu. Ah, tout de même. Oui, c'est la seule obligation. En fait, on a un contrat avec Mojang exprès. Ouais, on touche une barre. Ouais, non, je déconne. Mais du coup, oui, on est en train de construire un serveur MMORPG avec des classes, des races, des quêtes, des métiers aussi, j'ai oublié de le dire, des donjons et différentes zones avec un leveling particulier qui sera celui du serveur. Donc, où les joueurs pourront progresser jusqu'au level 50 au travers de différentes quêtes, donjons, énigmes, rencontres diverses et variées. World Boss à combattre aussi, on a oublié de le dire. Au plus tu parles, au plus j'ai peur du boulot qui m'attend.
Et également les events réguliers sur la map. Pourquoi tu mets de la bouse, Crash? C'est joli la bouse. Il s'est planté de bloc. Fantasy dans ce monde de bruit. LOL. C'est quoi? Et c'est quoi ces maisons dégueulasses? C'est pas des maisons, c'est des tentes. C'est des tentes. On est en train de te faire des tentes. Lotus, bah si tu veux nous aider, t'inquiète, t'as qu'à venir. Je sais pas. Là où on est actuellement. Tartas. Alors... Tartas, sérieusement. Tartas, je vais... Tu... Mais, bien sûr, mais c'est un troll. Tartas, il nous connaît. Il vient sur tous les lives depuis le début. Oui, il sait exactement ce qu'on est en train de faire. Et encore une fois sur le serveur, Maxi, très bonne question. Enfin, moi personnellement, et c'est ce qu'on avait dit il y a très longtemps, donc ça a peut-être changé selon les rues, on avait dit 20 à 30 personnes, si je dis pas de bêtises. What? Hein? De quoi non. Tu parles? On a jamais parlé d'une limite. Comment à la place? Non, bah, pour l'alpha. De maisons. Ah, pour l'alpha! Oui. Non, mais oui, mais. Enfin, j'ai pas parle de l'alpha. Attends, non, moi je vois, il y a combien de places sur le serveur, Maxi? Oui, mais bon. Alors, attends, deux secondes. Alpha en premier, là, on précise. Pour l'alpha, normalement, il y aura entre 20 et 30 places, ça dépendra du nombre de candidatures et surtout de celles qui sont intéressantes. Comment en fait. On gère tout ça. Voilà, de comment on va gérer tout ça. Et ensuite, il y aura normalement, ce sera illimité. Voilà. Enfin, illimité, oui, sinon il faudra construire vos maisons si jamais il n'y a plus de place. Oui, normalement, en fait, bon, on a une grosse partie qui est quand même dédiée aux joueurs, c'est-à-dire que sur Nestari, l'autre continent donc, que vous avez vu au début, on a. Et j'ai même pas le temps d'écrire le mot message. On a en fait la capitale, Chronovale, qui restera la capitale dans tous les cas. Et en fait, le reste du continent, vous pouvez construire dessus. Enfin, vous pouvez construire votre propre ville, moyennant finance. Pour du coup instaurer un peu votre petite dictature et tout. Faire vos maisons, votre style de construction et tout le bordel. Voilà. Finance réelle. Hein. Voilà. Précise. De quoi? Finance réelle. T'as précisé? Finance réelle? Pourquoi réelle? Parce qu'on est en pay to win. Ouais, voilà, exactement. What the fuck? En fait, on en a parlé tout à l'heure avec Dawa pendant que t'étais là. Ouais, on voilà. On change un peu les règles. On change un peu les règles. Maintenant, tout sera payé. LOL. Chaque pas sur le serveur vous coûtera des sous. Trop de monde sur le live. Salut Physix. En fait, pour vous expliquer, pour ceux qui sont sur Twitch, en fait, tout se passe sur le chat Epicube TV. Oui. Vous allez sur le site d'Epicube /webTV. Et vous arrivez sur notre live et en fait il y a un chat dédié là-bas qui tourne pas mal d'ailleurs. Et vous pouvez retrouver également les messages de ceux qui sont sur Twitch. Mais du coup je vous conseille fortement d'y aller. Oui, ce serait bien. Il y a combien de personnes sur le live? Parce que je regarde pas. 27. Ah, 27. Un joueur 27, mais après sur Twitch je sais pas. Ah 27. Pas vraiment mis à jour. Ouh. Voilà. Alors, ici aussi quoi? Non mais c'est bon, j'ai répondu. Oui mais en fait il faut expliquer. Non, c'est je vais faire des tentes là où je suis. Ah oui non, ok. Ok, du coup on fait un petit feu de camp là au milieu, tranquillement. Besoin de se créer un compte et tout. Sur le forum, je pense que c'est enfin sur le site, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir parler. Mais bon, comme sur Twitch quoi. Le silence c'est génial. Oui, non, je suis en train de lire en fait les commentaires, je suis un peu d'abord. Ça va, Crash? Crash, il fout le feu. Crash! Si, il fout le feu là. C'est Crash. Alors, parce que si jamais j'ai pas fait la config pour pas qu'il y ait le feu partout, vous êtes dans la merde. Vite être bête du feu. Ok. Donc, l'aménagement des tentes, ça sera à voir du coup pour Crash. Crash, du boulot pour toi. Non? Ok. Fêter mon retour. Pitié quoi, c'est quoi ce faute d'orthographe? C'est pour te faire saigner les yeux. Je saigne déjà les yeux quand je vois ta tronche. Mais tu l'as pas vu. Ça prend pas beaucoup de temps à faire un compte, en effet. Pas de soucis, Physix. Ah merde. Va y arriver. Il avait 35 au début du live jusqu'à la fin des explications en fait. Merci Kérom pour les chiffres. Ouais. Kérom, maître des chiffres. Exactement.
Ok. Donc là, on est censé avoir une ruine. Alors, une ruine de quoi? Aucune idée. Ça va être une ruine toute en pierre. Voilà. Normalement, on a... Oui. Non, mais sérieusement, mais oui, évidemment. Disons que le bois, ça pourrit assez vite, donc du coup, c'est forcément la pierre qui reste. Ça sera un bâtiment en ruine, donc on va dire une sorte de... Pourquoi pas une chapelle? Oui, ouais, non, pas un mausolée. Mausolée, c'est plus pour les cimetières, donc du coup... On va partir sur une sorte de chapelle un peu isolée. Non, attends, c'est un peu bizarre. C'est bizarre, ouais, avec... c'est bizarre dans la story. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une chapelle au milieu d'une forêt qui est remplie par les mobs? On peut pas faire un truc en rapport avec des chercheurs, ça marche pas. Ah non, je suis con. Je sais pas, par rapport à la story, qui sont pour les mecs. Ou alors on fait un laboratoire. Oui, alors je précise. Oui, l'univers. Définitif. Attends, deux secondes. Je précise un truc pour ceux qui sont sur le live. L'univers, c'est un univers steampunk à heroic fantasy. Donc en fait, on est plus basé sur quelque chose. Sur quelque chose de moins mécanique où vous allez avoir des fusils et tout pour tirer, mais plus sur quelque chose qui est dans la découverte, la recherche, etc. Et la magie, surtout. Donc là, le laboratoire, en fait, c'est pas par rapport à l'univers, c'est parce que les ruines qui sont là sont celles d'un autre peuple qui existait auparavant. Donc c'est pas exclu que eux aient des laboratoires. Voilà. Comme t'es vieux, c'est toi la ruine. LOL. Non, pas de ban pour Kérom, t'es fou. Tu bannes pas Kérom. Tu touches à Kérom, je le défonce ta mère. Oula. C'est pas sérieux. du coup, ouais, une sorte de ruine style laboratoire à moitié effondré et avec des parties souterraines. Parce que bon, le but ça a quand même d'être en souterrain, un minimum. Ça vous tente? Non? Oui? Allez. Ok, moi en fait, avant de creuser, Crash, tu vois, j'aurais fait le bâtiment. Juste pour savoir la taille. C'est pas la taille qui compte. Exactement. Désolé, ouais, salut Elkis. Pour violence envers Modo. On peut ban le streamer. What the fuck. 60 de profondeur, c'est assez ou... Ouais, reste au fond de ton trou, toi. Tout de suite. Je te défonce, ça. En quelques mots, le principe et fonctionnement d'un serveur MMORPG. Alors le but, en fait, c'est de proposer au joueur qu'il a un personnage qu'il ait créé, en fait, au début du serveur. Donc ça va être en choisissant une race, une classe, un métier. Bon, là, c'est sur notre serveur. Hein. Ensuite, ça va être de l'intégrer dans une histoire globale à laquelle il va pouvoir participer, avec des quêtes, des donjons à réaliser, et une progression au niveau de son personnage. Donc il va y avoir des compétences qu'il va débloquer, des capacités qu'il va pouvoir activer au fur et à mesure de ses niveaux, et surtout, des points de compétences qu'il va pouvoir mettre dans différentes statistiques pour augmenter son skill. Sachant qu'on n'a pas assez de points en tout, hein. Ou monter niveau max, on n'a pas assez de temps pour monter tout au sort niveau maximum, parce que je suis un salaud, voilà. Je voulais pas que vous soyez trop cheaté. Et en plus, vous avez aussi des attributs, tels que la force, la vitalité, la résistance, etc. à augmenter en plus de vos spells et tout le reste. Ok. Puis voilà. Les blocs que je vous propose pour ce bâtiment, clac, clac. On va prendre celui-là qui sont quand même pas mal. Tuk, 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 tuk. Bon, la stone brick, alors la brisée, on abandonne tout de suite, puisqu'elle n'existe pas vraiment, sur ce texture pack. Et donc un petit peu de stone brick aussi, et la cobble moussue. Ça vous va? On a le droit de dire non. Moi je veux des lianes. Bien sûr, je veux des lianes. Le principe des quêtes, c'est façon WoW. Oui, tout à fait. Il y aura la quête principale qui fera en fait un fil conducteur pour vous faire explorer en fait toute la zone des terres sauvages, donc celle qu'on est en train de construire. Et on aura les quêtes secondaires qui seront en fait ou sur votre chemin au milieu des quêtes principales, ou alors que vous allez pouvoir trouver en explorant un petit peu la map. D'ailleurs, je vous conseille du coup d'explorer un maximum la map parce qu'il y a des quêtes secondaires que vous ne pourrez trouver tout comme ça. Voilà. Puis l'exploration sera récompensée aussi, peut-être qu'on a une idée d'un. Live, oui. Il y a pas, il y a une live qui est proposée comme quoi on aurait des
totem ou quelque chose comme ça, je sais plus, je me rappelle plus. Oui, des totems avec des récompenses que vous pourriez trouver par la map si je vais vous forcer un peu à explorer quoi. Et puis il y a des easter eggs parce que c'est long, c'est grand. De quoi Crash ? Il y a aussi des easter eggs planqués un peu partout. Oui, il y a aussi les easter eggs qui sont planqués, qui... Il n'y a pas vraiment de récompense en soi, mais il y a surtout... Et surtout voilà, la satisfaction de les avoir trouvés. Et de les avoir reconnus évidemment. Sachant qu'il y a des easter eggs, en fait il y a des références absolument partout sur le jeu, on a mis des références à tout et n'importe quoi. Et selon les propositions de l'équipe. Et du coup je vous rassure que vous allez vraiment pouvoir retrouver des trucs un petit peu marrants issus de tous les trucs que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ok. Lotus, tu pourrais même pas rejoindre le channel. Non. Tu n'as pas les permissions pour rejoindre le channel. Faut qu'on te fasse, qu'on te move dedans. Oui. Et Elkis, attends, j'ai eu une question. Je sais plus. Bon, tant pis. Bonjour Nutcracker. J'ai une question. On fait une ruine, à quel point une ruine ? Une ruine complètement défoncée ou avec encore des salles entières ? Je vais pas dire complètement défoncée. Parce que bon, il faut quand même que les gens puissent circuler dedans un minimum. Mais honnêtement, le toit, il y a quasiment plus rien. Parce que si tu veux prendre la comparaison avec la maison qui a été qui est en ruine à Leiden, qui est plutôt récente, là, il faut faire bien pire. C'est-à-dire qu'on a à peine un morceau de façade qui tient encore avec un petit bout de toit. Voilà. Et le reste, tout a été... on a tout enlevé, en fait. C'est quasiment une salle à ciel ouvert, en fait. Il n'y a plus que le rez-de-chaussée qui tient avec son plancher et tout, à moitié cassé, et bon, et l'accès au sous-sol, du coup. Enfin, un petit pan de mur sur les côtés. Salut Nutcrackers. Nutcracker, pardon. T'as changé de pseudo, comment tu veux que je m'en sorte après ? J'arriverai jamais avec lui. Après avoir un serveur pour 1000 personnes, bah on aimerait bien qu'il se coule. OMG, t'es vulgaire. Non, pas moi. Oui, bien sûr. Hein, on ne citera pas ce que tu dis tout à l'heure. Hop là. Bon, du coup, on essaie de faire... Alors, on va faire un bâtiment carré. Hein. Sauf... Oh mon dieu, la surprise. Le bâtiment va être 100% carré, je pense. Parce que, de toute façon, il va pas en rester grand-chose. Pourquoi pas triangulaire ? Parce que c'est chiant. T'as pas le mobilier. N'empêche que c'est bien, hein, parce que Sensei, on n'aura pas à faire de toit. Donc du coup, on peut lui faire les dimensions qu'on veut. Ouais, je crois qu'il voulait utiliser quasiment toute la surface qu'on avait, là. Non, je veux laisser un petit espace devant, quand même. Ok. Ok. Alors, en fait, je vous explique. La dernière fois qu'on a fait une maison en ruine, en fait, on a quasiment construit la maison, et ensuite, on l'a défoncée. C'était un peu ça. On a construit les bases, et puis on a dit, non, voilà. J'ai francisé mon pseudo. Mais non ! Un bâtiment carré sur Minecraft, il n'est pas carré, il est rectangulaire. Ouais, ça change tout. Et là, tu vois le skill. Ouais. Que je parlais d'originalité au début. On pourra également mettre des murs en cobble pour simuler les trous dans le... par contre, je pense que pour la mousse, on va plutôt l'utiliser dans les souterrains. Pour l'astronomique moussue. C'est de l'andésite et de la diorite. Voilà, l'andésite et la diorite. Oui, mais je parlais de ça. On va vendre à Lotus. Oui. Lotus, tu peux parler dans le chat du serveur. Hein. Oui, aussi. Voilà, donc Sensei a compris que je voulais utiliser l'andésite et la diorite pour le plancher en fait. Je veux vous épargner mes petits claviers. Ah oui, mais si t'es mute sur l'OTS, pas un problème. Non, là. Bon, je vais me mettre en pouce tout à fait. Écris là. Voilà, dans le chat du serveur. Mettre en pouce tout à fait. Merci Alex. Pour ton commentaire constructif. Bâtiment. Je quitte ce live, au revoir, je quitte Edweb TV, je m'en casse, c'est de la merde. Allez, on s'en va. C'est quoi ces modos? Putain. Notre pack est chelou, paraît-il. Ah bon? Avec cette texture, j'imagine. Ah bon? Bah. Ah, j'ai un pack de bière derrière sinon, hein, mais. Pardon. Ouais, ça prend peut-être pas du même pack. Euh,
Je pense qu'on peut mettre un petit peu de cobble moussu au sol en plus. Histoire à quelques endroits pour changer de la pierre. Merci, Bostonnet. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est. Voilà, j'ai toute l'équipe qui veut venir en fait. Tout le monde est mute, c'est bon. Personne ne parle. Personne ne parle, j'ai la parole! Regardez le planning, c'est complet. Bah oui, tout à fait. Même mon taux de participation à ce travail. Je suis bien là. Tiens! Passionnement, la foule. Oh là, il se passe des trucs sur ce live. De quoi? Cherche mieux. Fais un clic molette dessus. Ah non, c'était une molette. De quoi? C'est la roche moussue. De. Ouais, roche, c'est ça ce... Ouais, mais en fait c'est dans les blocs décoratifs, je crois. Non, c'est pas des blocs. Non, surtout pas dans les blocs décoratifs. Ah non, c'est bon, c'est vrai. Ouais, c'est Pierre Moussu. Celui qui a été cherché dans les blocs décoratifs va tout de suite changer là. Non, c'est bon, ça. A plus, Kerom. A plus. Ce qu'il n'aurait pas remarqué, Lotus est une fille. Non, c'est vrai? T'es sûr? Ah, je sais pas. Non, mais au cas où, on peut le confondre avec un mec qui est pas mis. T'es regardé, rue, je participe. Arrête, on n'a pas l'habitude de voir. Arrête! Arrête! Ah, j'ai mis deux blocs. Ok, donc là, Crash est en train de faire le souterrain. Ok, super. Ah, très bien pensé, les escaliers en cobble pour changer un peu. Du coup, je te laisse faire. Je pense qu'ici, en fait, il faudra faire en sorte. Ouais, là, on est vraiment sur une ruine, quoi. Ah, là, c'est sûr, il reste pas grand chose. Faudra peut-être monter un mur ou deux en plus, enfin, qu'il soit un petit peu plus haut. Parce que là. On dirait juste une placette. Oui, il y a un endroit. En fait, c'est ce côté-ci, faudra en mettre un ou deux. Tu veux combien de profondeur? Ça doit être assez profond parce qu'il faut. En fait, il faudrait plutôt une suite de salles. Ouais, il faudrait plusieurs étages, peut-être, non? Carrément. Ouais. Si tu veux, Dawa, tu peux faire un petit world edit pour cut tout ça et avoir de la place. Oui. Ah, moi j'aime pas utiliser world edit pourtant. Bah, si tu veux, passe-moi les commandes. Moi je t'aime. Je rigole tout ça. Hop, là je pense qu'on est bon. Merde. Oui, sauf que là t'as. Bah écoute, là, t'as, tu pètes un petit peu trop gros là. Oh non. Ouais, c'est normal, Solarius. Il y en a qui ont oublié qu'il y avait du lag. Non, c'est moi qui fais les commandes. J'ai cru que c'était un jeune garçonnet, moi. Ah là, tu vois, voilà. je suis bien de préciser. J'imagine, du coup, ce serait bien d'avoir deux sous-sols. Deux sous-sols différents, et du coup la fille serait au fond en fait. Ne sortez pas cette phrase de ce contexte. On a rien dit. Enfin t'es pas obligé de descendre jusqu'en bas à la crache, hein, tu sais. Est-ce qu'on peut, par exemple on peut faire le premier sous-sol, ouais, ça va c'est pas trop grand non plus, faut pas exagérer. Donc ouais. On peut faire plus grand. Ouais bah en fait... Je pense que oui, il faudrait faire plus grand en fait, en sous-sol. Non, bon je parlais pas en profondeur en fait, je parlais en largeur. Ouais. Superficie. Ouais, parce que là il y a pas beaucoup de place. C'est pas du world edit, c'est pas du world edit, c'est pire. Ah, c'est pire du world edit, fais léguer tout le monde. Non, ça va. Ah là, va, là, là. Vous faites à la main, je fais au world edit. Je suis pas du tout adepte du build donc. Ah, on reconnaît Sensei avec sa macro. Ah, Sensei.
Non. Non. En fait, je sais pas de quoi tu parles. Au niveau de l'organisation du souterrain, je pensais avoir en fait le premier sous-sol et l'escalier pour accéder au deuxième, il est en fait à l'opposé de celui par lequel on est arrivé. Il va falloir forcément passer par des salles où il y a des mobs dedans. Ça dit. Ouais, c'est très bien cette idée. Elle est bien cette idée. La fille serait au fond. Ouais. Tout le monde a repéré la phrase. Solarius, pas trop. Hein. Là, parce que l'on est. Plus vite que toi, Cynthia. Bon, je fais des trous partout. Mais... Ouais, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. C'est une partie effondrée. Ah là, oui. Mais à la limite, ça, il faudrait plutôt voir depuis l'intérieur plutôt que depuis l'extérieur pour la partie effondrée. Du coup, le plancher va se trouver où? Ici. Parce que là, en fait, Crash nous a fait un escalier qui descend jusqu'en bas. Oui, ce que j'étais en train de me dire. Oui. Je pense en fait que le premier souterrain devrait. Hop. Hop, on devrait juste rabaisser en fait ici. Là ou un point en dessous. Ouais. Un bloc plus bas. Hop. En sachant qu'on va faire un petit truc aussi. Oui, mais ça j'allais le faire une fois qu'on aura défini le. Oui, mais là je fais ça pour mettre un escalier supplémentaire en fait. Hop. Ouais. Bien. Avec un bloc enlevé. Bon, là par contre, on va partir du principe que le plancher est en bon état, plus ou moins. Il n'a pas été défoncé par le temps. Il est conservé, quoi, il est sous le sol, donc bon. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Pas trop. Hop, bon, bah, plancher. Hein. Damier. Qui veut faire un damier avec moi? Bon, j'ai autre chose à faire, moi, hein, je reviens. Tout à l'heure. Je dois aller chier. Voilà. Exactement, voilà, faut une occupation. Et on va faire un damier, c'est parti. Il y a peut-être 2-3 blocs qu'on va modifier au fur et à mesure, mais... Non. Rajouter 2-3 blocs de stone à la place, ou de cobble. Enfin, travailler à deux avec Sensei. Ah, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Merde, d'ailleurs, pour ce mur-là, on fait quoi hein. Ouais, on attend, parce que pour ce mur-là... On le... bouche. Oui, on va le boucher. Ouais, t'as bouge pas. Vous faites pas la salle plus grande. Ouais, mets-le en stone d'ailleurs. Dawa, t'inquiète. Vous faites pas la salle plus grande. Bah non, là ça devrait aller maintenant. Bah ok. Ok. Ok, man. Ah, j'ai pété un câble. Oui. Oui. Comment on fait pour le TP en haut? Faut avoir World Edit, c'est avec le compas pour se TP un peu partout. La réponse est 42. Voilà. C'est quoi une Elytra? Une Elytra, ah, c'est un nouvel Elytra. Les ailes. Surtout dans la 1.9, qui est super bien. Par contre, vous risquez fortement de mourir avec. Bon, beaucoup. Selon comment vous intéressez. Ouais, voilà. Ouais, hop. Et le PNJ sera là-bas dans le coin. Normal ce mur là. Il est mal garé ce mur. Pour mettre des torches. Ouais, d'avoir rempli le mur là. Okay. En quoi? Stone toujours. Ouais, Sensei, mais on va partir du principe aussi que. Je pense que aussi ça a été vachement préservé. Alors après il y aura peut-être plus d'humidité, du coup on va utiliser la cobble et la stone brick moussue. Hop là. Quelle réflexion dans les propos des rues. Bah c'est en sous-sol. Oui, non, mais oui. Oh, pardon. Bon app, non, stone. Par contre je pense pas. Ou, enfin je sais pas. Hein, de quoi? Oui, bon app. Oh, il dit qu'il va manger. Du coup... Solarius, tu es une abeille, cordialement. Par contre, ça m'étonnerait qu'ils aient gardé la bouse. Donc je pense qu'on va mettre de la stone partout.
Même sol pour la seconde salle. Oui. Ah sérieux? Attends, bouge pas. Pour faire un damier. Ouais, non, t'inquiète. Mais non, chut, faut pas le dire. C'est pas bien, Crash. Oui, je sais. Je l'ai dit. Il part d'ici. C'est que je suis revenu, je fais des conneries maintenant. Voilà, un damier. Ah oui, mais c'était un plus haut qu'il fallait faire. Oh, vous me faites chier. Non, non, laisse. Ah. Non, attends, pardon, Lotus. Un peu. Oui, ça, plus ou moins. Pourquoi est-ce que... Merde. Pourquoi est-ce que ça devient de la bouse ici? Oui. J'ai fait un rondo de trop. Oui, il y a de la bouse. Là. Là-haut. Oui. Voilà. C'est ce que je pensais. Au moins, c'est pratique. C'est un rondo de trop. Bon, par contre, je vais copier. Attends, arrête. Mec. Remplir le damier là, casse les escaliers. Là, je vais le recopier. Non, attends. On va avoir un beau damier, voilà. Ouais, il est pas mal le trou, mais ce serait mieux en fait qu'il soit ici, en fait. Tu vois. Parce que sinon, ouais, quoique. Non, vas-y, laisse-le. Non, laisse-le où il est. Ah oui, t'es en train de faire la cage d'escalier. Vas-y, Solarius, oui, je te dérange plus. Voilà, c'est bon. On m'a fait engueuler. Bonne idée, les dalles, pour faire chier un petit peu dans l'escalier. Voilà, comme ça on est bien fous sur merdé. Ah bah, super. Tu connais. Dawa, il y a un problème ici. Ah, Kemaï. Là. Bah là. Ah, je sais pas où t'es. Attends. Et rue, oui. Regarde là. Ton mur, ah, il est pas bien. Faut que tu refasses un mur en fait. Oui, Solarius. Tu vas faire un double trou qui va faire que les gens vont forcément mourir en tombant. Voilà, c'est la russe d'un salaud. Ça, c'est l'équipe de salauds. Ah ouais, tous des salauds. Oui, j'aime bien l'éclairage comme ça. Oh, ah, du coup, attends, je vais remettre la nuit en fait. J'ai mis une potion de Night Vision, donc du coup, ça change rien. Ah, bah, moi, je vais la nuit. Ouais. Avec l'enclume. Ouais, on peut faire ça si tu veux. Fais pas me mettre en live, merde, maintenant tout le monde va être au courant. Il y aura combien d'étages en sous-sol là? Il y en aura un deuxième et puis voilà. C'est tout. Bon, deux étages, ok. On va créer un PNJ. D'ailleurs, on peut faire en sorte qu'il y ait des escaliers manquants à certains endroits. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait au début, donc... Voilà. Ça rentre pas, non, on s'en fout. Tiens, et ici, tu mets Harry Crotter. Oh, tu vois, sympa, j'adore Harry Crotter. Ouais, beau, oui, mais on n'a pas le droit de mettre les vrais noms, hein, sinon il y a problème de copyright. Pas faux. Une donzelle en détresse. Le vaisseau il est pas rentré. Ou Barry Topper. Vous avez fini, oui. Au deuxième sous-sol, on fait des noms. C'est dans le journal Buck. Ou pas. De quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Deuxième sous-sol, parce qu'en fait. Une bonne idée, ça, tiens. Arrête de couper Sensei, je l'entends pas! Oui, Sensei. Le monsieur disait. J'en ai marre de me répéter. D'accord. Là, je te demandais si on fait les mêmes murs au deuxième sous-sol. Oui, je pense qu'on va partir sur le même. Mais en. Peut-être en plus. Avec un peu plus de stone brick normal. Ah oui, d'ailleurs, on en a pas mis au-dessus. Je suis en train de regarder, mais on n'a pas vu. Ouais, moi j'aime bien le concept que propose Nutcracker. J'aime bien l'idée.
Moi je fais un donjon avec des PNJ et à la fin d'une quête tu gagnes juste leur XP. C'est une petite demoiselle en détresse, c'est un signe de mec. En fait, le truc c'est que. Enfin, ouais, ça, je vais parler technique, mais c'est pas réalisable. Pas changer les dialogues des PNJ en fonction de leur quête. Ah, si, mais. Oh, non, j'ai la flemme. Bien calme cette soirée, c'est. Eh, on est plus que 17. Et bah oui. Il est tard, il y en a qui vont se coucher, il y en a qui ont cours. Hein. Alors, il y a des jeunes qui ont encore cours. C'est vrai qu'il y en a encore qui ont encore cours cette année. Oui. On va dire moi aussi, hein, j'ai cours aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, vous êtes couché. Vous êtes en train de me dire là que depuis tout à l'heure on parle des choses plus 18 et qu'en fait fallait pas? Ah quoi? Mais non. On m'avait pas prévenu. Sensei, je suis en train de remplacer quelques petites pierres à l'étage pour mettre de la stone brick. Histoire qu'on retrouve quand même le truc qu'on va avoir en bas. Sinon, il y a un petit problème. Hein. Ah, il y a des trous où en fait les cailloux en fait ils ont disparu. Là. D'ailleurs, c'est vrai que les murs abîmés, faudrait peut-être qu'on ait des trous aussi à certains endroits ici. Et d'ailleurs, j'y pense là, les murs abîmés. Oui. La roche qu'il y avait avant quand le bâtiment a été construit, elle a pas disparu. C'est pas censé faire des débris autour du coup? Ou dedans? Là où c'est tombé, tu veux dire? Au-dessus là. Ah bah non, en dehors. Mais ils sont effrités, d'accord, mais du coup il y a des cailloux qui sont tombés. Oui, mais on va en faire. T'inquiète pas. D'accord. Qui c'est qui balance ces items là? Ah, c'est interdit de jeter ces items, attention. C'est le truc qui m'énerve le plus quoi. Y'a des gens qui ont été kills pour moins que ça, hein. Voilà. Pas tout ça là. Darius qui s'amuse. Qu'est-ce qu'il nous prépare là? Non, mais prépare une salle secrète. Mais vous avez pas lu ce qu'il a mis ou quoi? Je suis en train de parler avec lui depuis tout à l'heure et bon. C'est trop petit. Tu pourrais mettre quelques petits reliefs avec des demi-dames, non? Hein, de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pour faire les débris. Ah oui. Les dalles en relief. Pour les côtés hauts. Je pense que tu peux abuser un petit peu plus sur la stone brick, je pense. Parce que j'en ai mis quasiment autant en fait à l'étage, donc étant donné que là c'est censé être un peu plus préservé. Allez hop. Moi je verrais bien un donjon où quand tu passes à un moment les blocs disparaissent en dessous de toi, en fait c'est comme si le sol s'effondrait, tu te pètes la gueule. On peut. Oui, je sais qu'on peut. On fait des commandes blocs, on prend le truc de même pas on fait l'événement. Même pas. On peut faire avec ça. Même pas les commandes blocs, avec des XL tu peux le faire directement. Avec ou sans grand bloc. Fuck le monde! Voilà. Exactement. Et une sale tête vente dans elle. Ah, tu trouves? En même temps, c'est un travelot, donc bon. Écoute. En fait, la femme, c'est un homme, donc c'est ça. Exactement. Ah, du coup, Lotus n'a pas compris ce que j'ai dit, personne n'a entendu. Et personne n'expliquera. Bonsoir Vareille, tu vas bien? Bonsoir. Lotus, les débris c'est à l'extérieur en fait. On parlait des débris des murs qui étaient tombés en fait, qui étaient plus là. Pourquoi il y a des trous dans les murs hein? C'est de la redstone. Que... C'est de la redstone! On s'en fout. J'avais pas envie que la redstone passe dans ce mur là. De quoi mon skin? Qu'est-ce qu'il a mon skin? Voilà, magnifique. Vous irez sauver Batman. Ça c'est une donzelle en détresse. Ça c'est du bon donjon. Vous irez sauver la nuit. Vous irez sauver la justice. Non mais non, mais arrêtez, c'est pas sympa. Oh je sais.
Non mais faut mettre une fille, faut pas mettre un mec, ça va pas le faire. Voilà, une fille. Voilà, là, moi je vote pour. Moi je dis on laisse. Oh, elle a passé de barbe quand même. Ouais, ah, ah, j'avoue, ouais, c'est vrai. Elle est censée être coincée ici. Faudrait lui faire de la barbe. Je suis sûr que t'as de la barbe, en plus. Un petit peu plus aussi du poils qui... Oh putain. Oui, enfin, on va arrêter. Ça devient tellement méchant. Là, vous pouvez voir l'endroit sans la, sans le Night Vision. Oh, c'est un ange avec des ailes. Un ange moustachu. Il a pas d'auréole. Un ange n'a pas forcément une auréole. Et bah, c'est pas un ange. Un ange avec de la barbe. Un ange sans auréole. Voilà. Puis t'as de la barbe. C'est un ange déchu, quoi. T'as des moustaches. Des moustaches, oui, t'en as plusieurs. T'as plusieurs moustaches. T'as superposé. Pourquoi y'a des dalles? Mais c'est Lotus en fait qui a compris par rapport au débris. C'est au rez-de-chaussée. C'est au rez-de-chaussée ici qu'il faut les faire. Fait ça, du coup. En fait, il faut les faire vers l'extérieur plutôt. Mais un peu aussi. Pire moustache. Bah non, en dessous c'est non. Faire... Les murs sont pas tombés en dessous. Y'a juste 2-3 blocs qui manquent et puis voilà. Voilà. Bah c'est vite fait de faire des ruines. Enfin, quand on est plusieurs. C'est, ouais, un peu, c'est un peu pour tout pareil, hein, j'ai envie de dire. Moi, ouais, franchement, j'ai bien bossé, hein. Putain. T'as fait quelques commandes, là, c'était du, ouais, du génie. Je crois que t'as jamais autant bossé sur le serveur. Ouais, là, c'est le maximum, quoi. Après, c'est le maximum. Ouais, faut croire que je fous rien sur ce serveur. Non, mais niveau construction, je crois que c'est la première fois que... Bah, niveau construction, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose. Je crois que demain, il va pleuvoir. Ah, peut-être demain, à il pleut chez moi. À demain après-midi. Non, pas demain après-midi, demain soir. Demain soir. Let's cracker. Je... Bah oui, demain soir, je fais... j'irai jumper chez vous, avec LKG. Encore un qui est au courant. Bah moi, d'ailleurs, faut que j'y aille, hein. J'ai légèrement cours demain. Okay. Bah du coup, bonne nuit. Bonne nuit. Et à bonne demain. Bonne nuit. Moi, je suis content, demain, je vais pas en cours. Salut. Bah, j'ai cours, mais j'y vais pas. Oh non, non. J'ai 4 heures de cours demain matin. Ah, moi j'ai 1 heure, j'ai fait, ah, c'est bon, j'ai 1 heure. Mais j'ai 1 heure à la con. Bon, on fait bon, je suis malade, bon, puis voilà. Plus. À plus. Salut. Est-ce que signe de gobelin serait parfaite? Ah oui. Est-ce qu'il y a tellement de trolls. Et oui, ça fait longtemps que t'as pas lu une question sur le chat. Oh putain, magnifique. Si, 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 mais le problème... Non, le problème c'est que Dawa, il interroge tout, il répond à tout en fait. Et de l'autre côté, il y a pas beaucoup de questions qui sont posées ce soir. J'avoue que c'est pas la folie. Réveillez-vous, posez des questions. Non, c'est vrai que honnêtement, les lives de samedi et mardi ont été beaucoup plus actifs que le vôtre. Désolé. Et votre faute. Oui, quel jour là, on est mardi. Bah, si c'est ça, je me casse. Là, la gorge en ça. Hop. Ouais, du coup, je pense que là, on peut faire le lien avec la route sans problème. Alors, comment dire, un simple truc comme ça, hein, mais. Vous m'expliquez comment on distingue l'entrée? On s'en fout, elle est en ruine, merde! Ouais, d'accord, enfin quand même, moi je vois juste un carré avec 4 murs et sans aucune entrée. Bah là, je suis désolé, moi je vois une entrée ici. Oui, est... Ou alors là. Une porte, ouais, pour un. On s'en fout, c'est des porte. Ruines, tu montes par-dessus les ruines! Ouais, mais faudrait un minimum d'espace à un moment là où y'a rien, genre y'a une porte avant. Bon, attends, tu veux plus de précision? Ah si. Donne-moi de la précision. Attends, ok, t'es prêt? Bah je sens mal, vas-y. Tu vas te prendre un gros, on va te faire foutre. Ah oui, ceci l'entrée. La porte, tu fais pas chier, d'accord. Bah non, c'est pas nous si tu voulais de la précision. Salut, t'es un serve. Salut. Comment dire? Bah en fait, on est sur un serve. Minecraft. Oui, en effet. C'est le serveur MMORPG qu'on est en train de créer. Nous sommes donc en train de créer un serveur MMORPG, enfin pas sur le thème de Minecraft, hein. Mais grâce à la plateforme Minecraft et tout ce qu'elle nous offre. Depuis quand nous sommes un serveur? Quand nous sommes un serveur, on a commencé le serveur en
pensait avoir le serveur. Non, bah oui. Oh putain, je me rappelle, on a eu des embrouilles il y a longtemps. On avait pas de serveur à nous au départ. T'es ah oui, ça. Sur le PC de quelqu'un, c'était. Attention, c'est la minute historique. Ouais, la minute papy d'Awa. Voilà. Faut prendre une boîte. Ching. Alors. Non, j'arrive pas, bon, on s'en fout. Je me souviens de mon temps. Le serveur n'existait pas encore. J'avais déjà de grandes idées. Exactement. Nous avons travaillé sans relâche. Nous étions hébergés sur un ordinateur. Non pas sur un gros serveur. Et les chemins se faisant, nous avons enfin pu louer un serveur chez un magnifique hébergeur qui s'appelait, parce que du coup on est vieux, du coup il n'existe plus, Minecraft Mania. Mais quoi, il existe encore? Oui, mais vu que c'est Papy... Ah oui, Papy, oui. Ah, tu suis pas, hein? Non, j'ai pas suivi, là. J'ai arrêté avec sa voix de merde, il n'arrive pas à faire. Voilà, du coup, on va peut-être répondre à des gens, du coup, personne. Voilà. Oui, personne on recrute. Oui, on recrute. Non, mais on recrute. On recrute des personnes pour construire et décorer et écrire la story. Pour le moment, au niveau du staff. Quelqu'un qui s'y connaît en commande. Voilà. Franchement. En commande. Si possible, avec des boobs. Oui, de préférence. Bon, après, pour le moment, on recrute pas de staff à proprement parler pour l'aide aux joueurs parce que bon. C'est quelque chose qui se fera au fur et à mesure, donc voilà, on n'est pas... On n'est pas ouvert actuellement. Oui, ça sort en 2.0, j'espère pas. Honnêtement, j'espère pas. J'espère que le 2.0 d'ailleurs ne sortira jamais. Ça va poser un gros problème à mon avis. Qu'est-ce qu'il raconte? La 2.0 de Minecraft. Faire une 2.0 Minecraft, ça veut dire me retaper toute la config des blogs. J'ai pas envie. Encore s'il y a des plugins qui existent encore à l'époque, hein, à ce moment-là. Hein. Ouais. Je crée mais les grades. La façon ah non, mais les grades ils sont créés. Hein. Non, là on parle de quelqu'un qui sait maîtriser les plugins au point de les créer lui-même. Ouais. Surtout s'il sait les créer lui-même. Surtout. Ouais. Là actuellement, les plugins pour la plupart ils sont tous réglés. Hein. Dawa et moi, bon, c'est quand même les maîtriser donc. Oui, enfin. Oui, puisque toi tu t'en es occupé, mais oui, mais je ouais, sais. Ouais, t'avais d'autres occupations. D'ailleurs, Eru, petite info, même si évidemment c'est dans le futur, donc c'est rien, ça rien. L'année prochaine, je vais commencer à faire des études dans codage. Je sais, tu m'en avais parlé. Ouais, mais c'est officiel. Enfin, si je suis pris. Du coup, l'année prochaine sur votre site. Et en builder, oui. J'ai vraiment gardé mon skin pour la demoiselle en distress. Non, non, non. Non, Lotus. Enfin, je pense pas, je sais pas, on verra. Oui, script. Moi, oui, bah script est déjà sur ce serveur. Et c'est... Moi, je merci. Bien... je mettrais bien Sligel en demoiselle en détresse. Ouais, voilà. Oh, c'est une bonne idée. Bye, Dracorl. Dracorl, bah oui, mais le plugin est déjà sur le serveur. Malheureusement, pour l'instant, j'ai trouvé aucun truc vraiment à faire parce que j'avais déjà trouvé tout. Parce que script j'ai mis en dernier sur le serveur, du coup, parce que je savais pas qu'il existait avant. C'est un ami à moi qui m'en a parlé. Du coup, j'avais déjà trouvé tous les autres plugins qui permettaient de faire ce que je voulais. Du coup, script actuellement, il est vierge. Parce que j'ai tous les autres plugins que je voulais pour remplir les fonctions. Donc, actuellement, script je l'utiliserai sûrement plus tard si jamais j'ai des petits trucs à régler. Mais là, actuellement, il est vierge. Sinon, pour expliquer en gros comment ça fonctionne pour rejoindre le serveur, enfin pour faire partie des builders, il faut envoyer un message à la page Facebook ou au compte Twitter qui sont juste en dessous de moi, là, de ma webcam, donc NestarIMC, et ensuite, on discute, voilà, on fait un petit entretien, et puis on voit si tu nous rejoins ou pas. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que ça résume assez bien la situation. On vérifie les mensurations aussi. Ouais, très important. Bon, voilà. Tous ceux qui ont en dessous de 70 ans ne sont pas pris. Il risque pas d'avoir grand monde, tiens. Ouais, mais c'est pour accompagner Sensei, si on peut se sentir seul. Crash, on va aller s'expliquer sur notre channel. Oh, on va s'expliquer après le live. Reviens. Des 10 ou. Oui, plein de 10 ou, Lotus. Plein de 10 ou. Alors, pour préciser par rapport à Dracorl qui me parlait de... T'aimes pas les candides? Ah bah là je suis désolé, ouais, mais tu vas devoir y passer. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Ouais, c'est pas méchant non plus. Hein. Enfin, les seuls qui ont pas été candides, c'est...
Les fondateurs. Ouais, et peut-être Sensei parce qu'il arrive non, si, Sensei, il est... Non, si, si. Sensei, il a eu la candidature. Il n'y a pas ouais, eu le test, lui. Il n'y a pas eu le total. Voilà, mais Sensei a fait partie de ceux qui ont eu le test. Hein. Tout le monde a été testé sur le... On est deux à pas avoir été testé. En, bah, en même temps... Ce serait débile. On va se tester. Alors, attends, les fondateurs, on va se tester. Ouais. On va se tester de nous-mêmes, ça va être drôle. Bah ouais, tu vas faire un manoir entier. Oula. Bon, ça serait de me tester sur le build. Depuis quand on est testé? Enfin, si vous êtes arrivé trop tôt, c'est sûr que vous êtes moins testé que maintenant. Pas qu'on est plus exigeant ou que. Enfin. Mais parce qu'on a. Ah si, on est plus exigeant, faut le dire quand même. Ouais, mais on a eu 5 d'expérience aussi, comment dire. Des mauvais cas. Pas traumatisante, hein, mais bon, voilà. Du coup, maintenant, on est plus. Des gens qui sont partis. Trick. Oui, enfin ouais, voilà. Disons qu'il faut quand même préciser, Brandon, qu'aujourd'hui, mine de rien, le projet, même si on est là en bénévole et qu'on gagne pas de thunes, on essaie de faire en sorte d'être un maximum professionnel. Oui, donc, si. On fait ça sérieusement. Voilà, on fait ça ultra sérieusement. Et si jamais les gens ne suivent pas, n'ont pas la même attitude quand ils veulent venir sur le serveur, ça vaut même pas la peine qu'ils viennent, quoi. Voilà. Je vais réussir à passer cette phrase, hein. C'est trois fois que j'essaie de dire un truc par rapport à Dracor. Il y a Isgo qui script tout à l'heure. Oui, script, mais c'est bien. Il est déjà parti, ça en permet... fait. Bon, d'app. C'est bien. Ça permet de faire plein de trucs. Par contre, ce sera toujours moins complet qu'un plug en Java. Donc, script, c'est pour dépanner sûrement en attendant qu'on ait un codeur ou que moi j'apprenne le code, parce que je vais y mettre l'année prochaine. Si on doit attendre l'année prochaine pour... Ouais, ça va être long, voilà. Donc, on fera mieux quelqu'un avant. Mais bon, en attendant, ça sort des banages surtout. Ok. Bon, je crois qu'on a fini pour ici, hein. Après, il y a juste la décoration à faire. Crash. Des feuilles, bonne idée, ça. Enfin, pas trop, quand même, un crash. Quelques vignes, surtout, je pense. Ouais. Ah, les vignes, ça va être chiant, parce que normalement, toute la salle va être recouverte. Bah non. Ah, extérieur, pardon. Je crois que tu parlais de l'intérieur. T'en sors, Solarius? Oula. J'aime bien, j'ai une chute de 2 FPS en fait. Du coup, je le sens tout de suite. Oh là là. D'ailleurs, j'y pense. Pas concernant le forum. Oui. Voilà. Avec ou sans élan. Oui. Avec ou sans élan. Avec ou sans élan, je sais pas, comme tu veux. On espère pouvoir le sortir quand le forum. Ça dépend de ce que tu attends par sortir. Pas longtemps. Techniquement, il est quasiment viable, mais bon, c'est juste qu'il faut. Là, c'est un forum, ça. Il faut l'histoire revisitée. Il faut la... Ah oui, c'est vrai. La petite description des races et des caractéristiques que tu leur as mis. Il faut au moins, au minimum. Et alors, d'ailleurs, en parlant des caractéristiques des races et machin, tout ça, tu veux que je te l'écrive ensuite, tu le copie-colle sur le forum ou tu veux que je fasse un post? Non, que tu me... Non, mais il pourrait faire un post carrément. Oui, je pourrais faire un post. Mais il pourrait carrément faire le post. Mais en fait, le problème c'est que il a fait une section la petite description et autres, ça est sur le qui est en ligne. Et c'est un petit truc qui est de 5-6 lignes. C'est vraiment tout petit et faut passer par les templates. Ok. Donc après, toi, Dawa, tu peux faire, par exemple, dans la partie histoire, bibliothèque, tu peux faire une partie les classes et détailler vraiment les classes. Oui, je pense que je ferai un post détaillé concernant les classes et les races pour informer un peu tout le monde. Voilà. Mais pour... Pour vraiment ouvrir complètement. Salut Mad. Hello Mad. Pour vraiment ouvrir le forum, il me faudrait juste les caractéristiques et une petite description vite fait de la race. Ensuite, il me faut absolument que toi et Eru, vous vous présentiez entre guillemets. Vous faites une fiche avec voilà qui vous êtes, comment vous. Enfin, voilà. Je suis là où.
cordialement. Au moins vous, parce que après le staff, ça sera sur le staff final, donc ça sera fait après, mais au moins vous deux, parce que normalement, ça change pas, vous serez au final, vous serez là. Non, je virerai Dawa, c'est mon prochain plan. Il essaye, il est toujours pas arrivé. Tintin. Il a trop besoin de moi. Ensuite, le règlement est fait. Ah si, il faut que je chope Bad B. Il faut juste que je chope Bad B pour discuter. Il a du mal à dire Bad B. Hein. Oui, si. Beaucoup. Bad B. Mais sinon, oui, le forum est viable. Tu me diras après le live ce qu'il te faut, je vais te l'écrire, je vais t'envoyer. Ouais. Oui, mais si tu l'as déjà. Ok, bah du coup on a fait cette ruine, je pense que là on va laisser Solarius bosser sur le système Redstone, mais... Solarius, si t'y arrives pas, tant pis, hein. Juste voilà, abandonne. Ok. Ne déconcentre pas. Et on va partir sur l'autre élément qu'on doit construire. Le camp des chercheurs on a déjà fait, ou il est pas fini, je vois. Si, mais il y a la décoration à faire, donc ça, Crash, tu peux rester pour le faire. Allez, Crash. Je te regarde, vas-y. Idem d'ailleurs pour le... Non mais juste pour te prévenir, idem pour le... Pour les souterrains, ce serait bien qu'il y ait quand même quelques restes des stands d'alchimie. Je vais ça avec... Avec Sligel. Je vais ça, ouais, avec Sligel. Hop, et là nous on va partir dans une autre section du marais, qui est carrément à l'opposé, c'est celle où vous allez pouvoir trouver le donjon du... Merde, c'était pas là. Shot. Ah non, c'est là-bas, c'est bon. Je pensais avoir... Campement d'aventurier, c'est pas pareil. Voilà, donc ça c'est un campement d'aventurier, donc il va encore une fois avoir des tentes. Mon dieu, voilà, je suis une bouche. Le deuxième donjon va être là-bas, sur la colline. C'est un immense manoir. Ouais, il y a la place là, sur la colline ou... Oui, mais au pire, je supprimerai quelques couches. Mais en fait, c'est un donjon qui va être assez particulier parce que ce sera essentiellement de l'énigme Redstone et un petit peu de combat. Mais ça va être surtout de l'énigme Redstone. Référence à un certain jeu. Pour bien vous casser le cul. Voilà, il est évidemment un boss comme d'habitude. Hein. Et en fait, du coup, le premier élément qui va vous amener à aller vers ce donjon, c'est ce campement d'aventuriers. Puisque les aventuriers qui sont là sont censés... ils ont repéré le manoir et ils essaient d'avoir des informations dessus avant d'y rentrer. Donc du coup, il y avait une tour en ruine. Du coup, il y a comme, qui dirait, une connexion. C'est qu'apparemment, avant, ce manoir devait être également surveillé d'une manière quelconque. Ou alors, c'était la tour qui était attribuée au manoir. Donc, c'est un peu bizarre. On sait juste qu'il y a des restes de nécromancie et qu'il n'y a plus personne qui est censé vivre dedans puisqu'il existait avant... que les Nestariens arrivent sur ce continent. Donc voilà. C'est un lieu un peu bizarre qui apparemment a survécu au temps d'une manière absolument étrange. Ils ont absolument aucun indice sur le pourquoi du comment. Et voilà. On sent la magie, on sent qu'il y a un truc qui est pas net. Et du coup, les aventuriers sont là pour essayer de découvrir ce qui ne va pas ici. J'ai jamais pensé, mais en fait, tous les gens qui suivent le live, surtout depuis longtemps, oui, ils se souviennent toute l'histoire au fur et à mesure. Tout ce qui va se passer. Complètement. C'est triste. J'y avais pas pensé. Après voilà, on est plus à ça près. Puis bon, vous êtes sur un MMORPG, vous êtes pas non plus sur un RPG classique. Voilà, ouais. L'histoire, elle a une importance folle. Enfin quoi que si, parce qu'on se casse le cul à l'écrire. Mais ouais. Alors, mais... De fin, c'est... Voilà, honnêtement, ouais, l'histoire, on essaie de pousser un maximum. Je fais chier Crash en plus, hein, voilà, j'ai encore emmerdé aujourd'hui. Donc, je suis assez pointilleux personnellement sur l'écriture de la story parce que j'aime bien que les choses soient bien faites et qu'elles soient cohérentes. Oui. Non mais très cohérente en fait, c'est-à-dire que d'un point de vue... là tout à l'heure, Crash, je lui ai brisé un peu ses rêves d'un point de vue géopolitique. Mmh. Après... Voilà. J'avais pas tous les éléments en main. Hein. La oui, c'est vrai. J'étais dans sa tête. Alors, vu que je suis pas dans sa tête, je peux pas deviner non plus.
Et en plus de ça, c'est sur le background. Ouais. Oui, mais du coup, faudra contacter Bad Bay pour le donjon. Oui, parce que là, ça commence à... Je m'attendais pas à devoir le presser autant, mais là, il faut que je lui dise. Hein. Voilà, parce que Bad Bay est le designer principal de ce donjon. Et voilà, c'est aussi celui qui compose nos musiques pour le serveur. Oui, car nous aurons un texture pack avec des musiques. Voilà, on aura un ressource pack spécial musique avec les musiques spécialement composées pour le serveur. Par contre, si je dis pas de bêtises, les musiques seront pas correspondantes par rapport à des lieux. Eh ben, apparemment, il y a moyen de le faire. Sur les maps aventures, c'est faisable, apparemment. Donc, il y a moyen de faire quelque chose avec, il faut juste qu'on se renseigne un petit peu. Mais voilà. Voilà, donc Bad Bay m'avait dit qu'il avait testé une map sur Zelda, qu'ils avaient refait les musiques de Zelda et qu'ils se déclenchaient des moments définis. Il y a des endroits. Par exemple. Voilà. Alors, je vous avais parlé également de la zone Dark Forest qui se situe au nord de Nightingale. Je vais vous la montrer parce que c'est assez impressionnant. Qui était dans le style de WoW entre guillemets, hein, c'est pas vraiment non plus c'est pas un copier-coller. Apparemment, copier-coller, il y a plusieurs gens, plusieurs personnes sur vous qui ont fait la remarque. Oui. Quand j'ai créé les classes, ils m'ont fait « Toi, t'as joué à WoW hein ?» Non. Non. De toute façon, honnêtement, aujourd'hui, vu le nombre de mémoires RPG qui existent, tout a été fait. Donc voilà, on peut pas non plus... Chaque fois, quelqu'un va me dire « T'as recopié sur ça ?» Voilà. Voilà, donc ça, c'est la Dark Forest. J'adore. Je suis en train de regarder en fait sur OBS si vous voyez bien, et non. Globalement, c'est... C'est plutôt de la merde même, vous voyez absolument que dalle. Ouais, il y a clairement là. Voilà, là c'est vraiment la super Dark Forest. Même dans le marécage, vous avez plus de lumière qu'ici. Là, vous avez un ou deux endroits, tous les 100 blocs, 100 ou 200 blocs, dans lesquels vous pouvez apercevoir un bloc de lumière. En fait, il y a des pluies de lumière des fois de temps en temps. Voilà, c'est ça. Mais j'ai envie de faire assez sombre. Et voilà, mais là ici c'est la deuxième partie de la zone, donc qui sera ouverte à partir du level 20, pas 20, level 10. Ça va la voix ? J'ai planté là. Oui, visiblement. Donc, ce sera en fait à partir de là que vous aurez passé le donjon numéro 1, vous passerez à cette zone-ci, donc avec les... avec un nouveau campement principal qui sera dans cette clairière. Donc là pour le moment il n'y a rien qui a été mis. Parce que tout simplement on fait d'abord la partie sud avant de s'occuper de la partie nord de la zone. Et dès que ça sera fait, ben, on attaquera la troisième zone qui sera Miralion, un immense biome de jungle. Voilà. Ensuite vous aurez encore un donjon avant de passer à Miralion. Oui, vous avez encore un donjon avant de passer à Miralion qui sera une forteresse abandonnée. Une forteresse plutôt. Et vraiment avec... avec encore une fois des zombies, des squelettes qui sont revenus des tombeaux. Et voilà. Oui, ça va être une map très axée sur la nécromancie. Enfin, tout ce qui est mort-vivant en fait. Voilà, tout ce qui révèle de la magie. Dans le relève plutôt. La magie noire ou ce genre de choses. Genre les creepers sur cette map, tu vois. Aucun. Si c'est une invention diabolique, mais non. Non, normalement. Parce que vu qu'ils sont sur la map de Leyden. On va surtout avoir les squelettes, les zombies, les sorcières. Sachant qu'il y aura aussi des mobs spéciaux, c'est-à-dire qu'en fait, avec une certaine chance de spawn, vous aurez certainement des fois, rarement, hein, parce qu'évidemment, c'est en fonction des chances de spawn du mob, des messages dans le chat disant « tel mob a spawn ». Bon alors faites gaffe, parce que quand il y aura marqué ce message dans le chat, si jamais vous cherchez le mob et vous tombez dessus, n'allez pas l'affronter tout seul. Même si vous êtes niveau max. Vous allez vous faire taper. Et oui. C'est la grande tristesse. Ouais. Et un gros mob comme ça, à part les mobs Elite qui ont un nom bon, bien affiché mais avec aucun message dans le chat, où vous pouvez les gérer à 1 si vous êtes très fort, 2 ou 3. Voilà. Petite anecdote concernant les mobs donc qu'il y aura dans cette magnifique zone de Nightingale. Recruter des builders ou autre au passage, oui.
encore et toujours plus de builders. Oui, on a besoin encore de builders, on a besoin de créateurs de plugins, de codeurs, de rédacteurs pour la story. Donc ouais, et on a encore besoin de beaucoup de monde pour refaire ça. Quelqu'un qui pourrait s'y connaître un minimum en plugin, qui pourrait m'assister au moins aussi. Si jamais il n'y a pas de codeur. Ouais. Bah ben, c'est mieux, mais sinon, ce serait bien. Du coup, Sensei, on commence cette tour. Oui, Retartas. Ah non, Sensei est pas là. Retartas. Oh mon dieu. Ouais, j'arrive. Eru, je vais construire. Merde, j'étais. Pardon, Solarius. Oui, j'ai pas fait exprès. Ça m'intéresse alors, où faut-il postuler? Ça se passe sur les réseaux sociaux du serveur, NestariMC, sur Twitter et Facebook. Et... Voilà. Alors... Hop, on va faire un petit salut sur le chat quand même. Hop! Et j'ai encore déco. Ah non, pas encore. Moi je me mets déjà déco là. Du coup, Dai, lui, est en charge de la forteresse à un moment donné. Attends. Quoi? Dai est en train de construire la forteresse. Il l'a construit tout seul? Oui, oui. Il construit les bases et on verra ensuite. Personne dans la taverne. Ah oui, on est en live. Re-sensei. Du coup, on se lance sur cette tour? Allez-y, moi je me prends un café, je m'assois quelque part et je vous regarde. Donc je pense qu'on va devoir remodifier un peu le sol ici pour pouvoir avoir une tour petite circonférence quand même, mine de rien. Par rapport à un goût de Chine, ça. Le live finit à 23h, ce n'est pas vraiment pour des horaires. Donc après, on aura sûrement un peu de ton message entre temps, après le live. Donc, après si le live, veux, voilà, et on en discutera. Si tu as le temps, tu peux passer ce soir en vrai live, on sera encore là. Je suis encore en vie parce que je me sens ultra fatigué. Moi je serai là encore. Ouf. Attends quoi? Y'a Tai qui me demande de savoir si je peux le TP car il a un nouveau micro. Ah oui mais non. Sur TS. TS. Je vais téléporter Tai. Non. Ah non, justement on évite d'avoir trop de monde en live pour que ce soit pas le bordel. Je ne téléporte pas Tai. Donc voilà, donc soit moi, soit Irunim te répondra sur la page Facebook, parce que j'ai pas les accès Twitter. Il les a pas donné, c'est pas bien. Je les ai pas changés en fait. Oui, mais je les ai pas. Oui, mais je les ai pas changés. J'ai oublié de les changer pour que t'aies déjà le mot de passe et l'accès. J'ai même pas de compte Twitter. Et c'est quoi ça? Pourquoi une. Rien, c'est un plugin à la con. Enfin, c'est un plugin à la con. C'est le plugin qui permet de faire des déguisements de mobs par rapport à Mythic Mob. Ok. Voilà. Donc fais ta demande sur Facebook plutôt. Voilà. Au moins t'es sûr que quelqu'un te répondra. De toute façon, voilà, je répondrai pas en live. Hein. Ça c'est clair. Ou peut-être moi. On a la taille pour mettre une tour là. Ouais, j'ai un petit doute là. 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1. Oh, je vais faire un truc très simple hein, pour éviter de prendre de la place. 3. Pardon. Là, ça passe, mais bon. Ouais, ça passe, hein. Mais une petite tour, quoi. Après, si le but c'est d'aller voir le manoir qui est, de voir le manoir qui est de l'autre côté, j'ai un petit doute là, quoi. Après, je pensais qu'on avait dit, que, si je me souviens bien, on avait dit que le, y a un des arbres qui allait dégager ici pour ouvrir un petit peu plus la vue. On pourrait peut-être ajouter un bloc dans la diagonale. Au revoir, Dai. Un bloc dans la diagonale. Ouais, du coup, on élargit carrément là. Ouh, j'ai le temps. Ah, moi je vois le joli travail de Solarius. Ouais, ça ferait deux blocs de plus. Et puis, parce que là, si on ajoute, tu veux dire en diagonale comment, qu'on mette en fait un bloc comme ça et qu'ensuite on parte comme ça. Ouais, voilà. Ça élargit beaucoup, hein. Parce que là, on élargit ici aussi. Euh,
c'est quand même vachement plus large. Après, c'est faisable, ouais, si on considère que l'entrée est ici en coin. Ouais. Attends, quoi? Après, évidemment, c'est une tour en ruine, hein, donc du coup, la moitié des murs vont. T'as fait comment? T'as juste changé ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, mais viens pas, parce que sinon tu vas spoiler les gens au niveau du passage secret, du coup, plus personne. Tout le monde aura que. Mais si j'étais même pas au courant pour faire comme ça. Oh. J'éteins mon écran. Ah bah, tu t'es vraiment cassé le cul. Ça marche pas, merde. Hop là. Merci pour ceux qui font du follow sur Twitter, ça fait plaisir. Putain, il est 22h30, j'ai envie d'aller me coucher quoi, je suis vraiment naze là. Désolé du live, mais d'habitude, ouais, je pète le feu jusqu'au bout, mais là, j'ai un gros coup de barre. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui viennent d'Epicube, je vous ai enregistré une petite vidéo qui... Enfin, ça va certainement être une nouvelle émission, tranquille ou pépère, que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Et sinon, je comptais normalement vous mettre les replays des lives Nestari, enfin tous les lives d'Epicube TV, enfin les miens, hein, pas les autres, sur ma chaîne. Le problème, c'est que mon premier live, donc celui de mardi dernier sur les aventures de Nestari, et ben, quand j'ai fait l'encodage, il a foiré. Voilà. Il a dit, va te faire foutre. Oh, pas gentil. Ah oui, il est pas gentil. Hein. Oh, y'a Kirob qui a aimé la page Facebook. Ouais, j'ai vu ça. Avec sa propre page Facebook. Ouais, d'ailleurs, je suis en train de me demander si je vais pas me créer une page Facebook, quoi, pour ça. Ta voix. Ouais. Je vois bien en pose magistrale. Too much hype for you. You can't handle it. T'es là. Non, franchement, je sais pas. Déjà, j'ai pas d'image. J'ai pas d'image déjà. Ouais, sans rien. J'ai même pas d'image de profil. Bon, ok. J'irai voir ça après, t'inquiète, okay. Solarius. Ça marche, Solarius. Oh là là, Tartas. Je suis vraiment désolé. Mais là, ouais. Hop, hop. Tout à fait. Hop. Ah non, mais je suis vraiment naze. Je sais pas. Du coup, Sensei. Ouais, je suis revenu. Ouais, j'imagine un petit peu la tour avec un côté qui tient encore un peu debout et l'autre qui vraiment tombe en ruine quasiment jusqu'au sol. Il y a plus rien quoi. Donc. Ah, tu bulles médiéval. Non. Pas vraiment en fait. Enfin, c'est du steampunk surtout. Mais là, on est surtout sur des ruines. C'est toi là? Je te reconnaissais pas. Oui! Putain, c'était il y a longtemps. Je vais pas vous montrer la vidéo, les gens, j'ai honte. Non, après l'interview en elle-même était très bien, mais ce que je regrette juste, c'est déjà qu'elle ait pas été publiée sur le site sur lequel devait être le publié. Merci MinecraftFR. Et ensuite, voilà, c'est vraiment. Pas forcément couple unique. Ouais, non, mais je vais mettre de la Stone Brick Moussu aussi. Je vais rajouter Sensei. Fais au moins la structure globale et ensuite on changera les blocs, tu vois. Du coup, ouais, c'était une super expérience. Franchement, cette interview. Et vite à Toulouse. À la base, c'était censé être. À la base, c'était censé être Fanta et Bob. Parce qu'ils étaient tous les deux présents au TGS pour la main. En fait, parce qu'il y avait eu la Minecon la semaine d'avant à Paris. Du coup, Fanta était venu exprès. Mais le problème, c'est que ben Fanta et Bob, ils avaient déjà donné une A plus Blockbuster. A plus Blockbuster. Je fais le Murloc. Mais oui, je suis AFK Solarius. Du coup, j'étais censé y aller, mais bon. Là, ils ont dit, ah non, mais on va pas faire une deuxième interview, on en a fait une la semaine dernière pour vous. Du coup, ouais. Étant donné que ça avait été prévu à l'arrache, carrément, ça a été prévu 3 jours avant, je crois. Le fait que j'y aille et que j'essaye de faire une interview, donc c'était assez catastrophique.
Et j'ai croisé Elarcis et Unster et ils ont accepté de faire une interview. D'ailleurs, mine de rien, je dois beaucoup à cette interview. Si on part d'un raisonnement absolument absurde, techniquement, je dois beaucoup de choses à cette interview. Pas ma notoriété, évidemment. La bonne blague. Voilà. Est-ce qu'on l'a fait plus haute que ça ou pas? Je pense pas, tu vois. Je pense que là, c'est bien. Les gens ont compris que c'était une tour. On va peut-être mettre quelques ouvertures en fait. Avec je pensais surtout aux barrières en cobble. En cobble et en cobble moussu évidemment. Putain, je les cherche, je ne trouve pas. Ah, ils sont là. Hop. Mais oui, c'était sympa avec eux, franchement. D'ailleurs, ça m'arrive de me repointer au TGS et que Ulster soit là et il me dit « Attends, attends, je vais essayer de me souvenir, c'est Héronyme, c'est ça ?» Ouais, il s'en souvient encore. Je suis plutôt content. Enfin, la dernière fois, j'ai dû lui rappeler un peu plus. Rappelle-toi de moi. Non, quand même pas. Oui, j'habite à Toulouse. J'habite toujours à Toulouse. J'habite à l'opposé des Rudines. J'habite au sud, ouais, j'habite au sud-est. Ça va, l'opposé, ça. C'est pas ouais, ça. Ouais, c'est un petit opposé. A plus, Solarius, du coup. Il est pas encore parti, putain. Il est chiant, ce mec. Oh le salaud. RE, tu pèses dans la game. Ou à Toulouse, ah, je vais quand même pas le dire. Attends, il y a un minimum de discrétion à avoir. Oui. J'ai un minimum d'intimité, quoi. Ouais. Bordel! C'est bon, c'est tout ce que t'habites à côté de la cathédrale. Hein? C'est tout ce que t'habites à côté de la cathédrale. Il y a une cathédrale à Toulouse? Ah oui, oui, putain, il y a une cathédrale à Toulouse. Oh putain! Oh putain! Ça fait peur des fois. J'ai dit déjà. En ville à côté du Capitole ou vers Colomiers? Je suis plutôt vers le centre-ville. Je suis pas du côté de Colomiers en tout cas, c'est trop loin, trop loin. Trop loin Colomiers. C'est bizarre, la tour on dirait un gros fuck. Surtout le sommet là, là le petit muret qui reste, c'est là, on dirait un fuck. Et peut-être pas obligé de préciser. Ouais, c'est peut-être pas obligé vraiment. Est-ce qu'on fait des restes d'escalier ou pas? Oh, il y a eu plein de messages. Oh là, oh putain. 12 rue du Maréchal Fleur. Il y a une rue du Maréchal Fleur. Quelles sont vos inspirations pour ce MMO? Il y en alors, a... aucune. Enfin, moi, personnellement... En fait, personnellement, il n'y a pas eu vraiment d'inspiration d'un MMO en particulier, et plus des inspirations RPG, en fait. Ouais. Moi, je sais que, voilà, j'ai beaucoup pensé à Skyrim durant le développement, donc... Quand j'ai créé les classes, les races, les métiers, etc. Juste inspiré de l'univers Heroic Fantasy. Voilà, en général. De ce qu'il y a un peu en général, après j'ai un peu fait à ma sauce. Hein. Bon, évidemment, vous ne savez pas, ça ressemble à d'autres MMO que vous connaissez. Je ne connais pas tous les mots, je n'ai pas joué à tous les MMO. Donc ça ressemble non, crash à... Non, les follow, désolé, non, les follow. Mais sinon, non, on est qu'on puisse inspirer les éléments. Bon, assez divers, mais. Je vais m'arrêter. Rien de précis. Non, mais c'est bon, tu peux laisser.
C'était juste le haut qu'il faut garder, quoi. Mais ouais, le... moi, l'inspiration, je pense que pour ma part, elle vient plutôt de Skyrim, parce que j'ai eu... Enfin, Skyrim, non, plutôt tous les Elder Scrolls en général, parce qu'il y a... Il y a vraiment trop de bonnes choses à prendre dedans. Notamment, et c'est là où je suis un petit peu chiant du coup, c'est que j'adore le fait que le RP soit autant développé via des petits éléments à droite à gauche, mais qui soit quand même assez important. Donc c'est vrai que le fait de trouver des bouquins avec l'histoire des précédents âges, bah ouais, ça c'est le genre de truc, j'aimerais bien qu'on le fasse, mais ça va être compliqué. Ça va être très long et très compliqué. Si un jour on a moyen de le développer, qu'on aille plus nombreux, qu'on a plus de temps, je pense que j'essaierai de le faire moi tout seul ou avec l'aide de quelques personnes, mais bon. Mais c'est vrai que, en fait, du coup, pour si on veut vraiment parler de l'inspiration, moi je pense que ça a été Tezo du coup. Puisqu'on est sur la même stratégie avec toujours les l'appui fort sur le background. Et c'est justement ça qui fait que ça marche quoi pour eux. Et que ça m'a plu d'ailleurs. Donc le but c'est vraiment de reproduire quelque chose qui est très réaliste et qui est pas juste là pour dire ouais bah en fait on a un gameplay original et ensuite bah le reste allez vous faire foutre. Parce que malheureusement il y a beaucoup de jeux sur lesquels j'ai jamais été passionné par leur histoire parce que il y a rien, l'histoire elle est vide. C'est tellement je vais pas dire les jeux en question mais bon. Non, je fais pas de meeting. Mais l'inspiration elle vient essentiellement des jeux qui ont un caractère fort, du coup, sur lesquels tu peux facilement t'extasier parce que tu découvres l'univers, que ce soit d'une manière géographique ou historique. Il y a aussi Guild Wars 2, pour la partie géographie, ça c'est un truc que j'adorais. Le fait de pouvoir découvrir la map et d'avoir des achievements pour ça, moi c'est le genre de truc, j'aimerais tellement le faire. Là, on va essayer de faire quelques petits trucs dedans, mais sûr que ce sera pas au niveau de Guild Wars 2, là c'est tellement plus haut, mais voilà. Mais voilà, les inspirations, ça vient un peu de là, pour ma part. C'est le fait qu'on ait des MMO qui sont forts à la fois en histoire, enfin dans leur background, et moi j'aime beaucoup ça. Autant le gameplay, il est pas... Enfin, je vais pas dire que notre MMO n'est pas original, mais il y a des gameplays qui sont pas du tout originaux, ou qui ont tendance à être assez répétitifs, et ça m'énerve un peu, mais il y a des fois où le gameplay est juste très correct, et c'est tout quoi, ça passe. Je veux dire, si le reste suit bien, je suis quelqu'un qui m'appuie beaucoup sur le background en fait. Voilà. De quoi on te dit, RU, pour le compte Facebook? De quoi? Du coup, je vais me créer un compte Facebook pour la page. Oui. Un plus discret. Même si je viens de répondre avec mon vrai compte. mais du coup, je vais mettre Dawa et en nom de famille, je mets quoi? Je mets rien. Ça marche pas. Ouais, tu peux pas. En fait, t'es obligé d'avoir un nom de famille sur Facebook. Normalement. Je sais pas comment il y en a qui arrivent à faire en sorte d'avoir que leur prénom affiché. Ça marche pas. Tu mets Dawa. Tu mets Dawa. Moi aussi, je suis fort en histoire, j'ai eu 18 au bac. Eh bah, tu sais quoi? Moi aussi. Moi je sais pas, j'ai pas encore passé le bac. Non, ça a été le plus gros troll de toute l'histoire du bac. Non, je déconne, quand même pas, mais Non, parce qu'on parle d'histoire en même temps. En fait, c'est que ma prof me disait que je travaillais pas assez, que j'aurais jamais le bac d'histoire, que ça allait être la merde, qu'il allait m'arriver des problèmes le jour du bac. Et les doigts dans le nez, quoi. J'avais eu 10 de moyenne avec cette prof toute l'année. Et en fait, elle était tellement exigeante avec tout le monde que tout le monde a eu des super notes. Et derrière, en fait, elle aurait mis 10 ou 11 à chacun des élèves. Voilà, t'es là. J'ai pas bossé du tout, quoi. C'est donc. C'est assez dingue. Non, de toute façon, faut avouer que pour le bac en général, quand je l'ai passé, j'ai rien bossé. Oh, regardez-moi cette feignasse. Et je suis un peu dégoûté parce que je suis passé à ça de la mention très bien. Voilà, donc du coup, je suis un petit peu dégué. Mais bon, c'est pas grave. Oh, trop chou. Ok. Bon, moi, ça me semble bien, cette ruine-là. Elle est pas mal. Ouais, elle ressemble à quelque chose, cette ouais.
Il y avait moins de choses à apprendre en histoire en 1940 aussi. À l'époque, à mon avis, les personnes qui passaient le bac, il devait pas y en avoir beaucoup. Mais voilà, c'est juste. Mais j'ai une certaine. De toute façon, j'ai une certaine passion pour l'histoire en général. Donc, du coup. Oui, enfin. Pas bon stock, t'as raison. Nickel. Ou wow, sinon, ouais, attends. Sinon, je mets un slash. Je mets un slash à mon prénom. À la fin de Dawa, je remets un slash au début du nom de famille, je marque Gasnok. Si tu veux. Par contre, je suis pas sûr que le Facebook accepte. Pas sûr que ça marche. Parce que moi, par exemple, le creeper en deux mots, il acceptait pas. Ce nom contient un ou plusieurs caractères non autorisés. Voilà. Mais voilà, bah, écoute, moi personnellement, j'ai fait le creeper attaché. D'accord. Parce qu'il disait, ouais, vous devez utiliser absolument votre prénom. J'ai fait attaché et là il a dit, ouais, c'est bon. Ouais, donc ça marche pas les. Voilà. Les slash. Bah oui, parce que c'est des caractères spéciaux et que logiquement tu n'en as pas dans ton vrai nom. Parce que normalement sur Facebook, t'es censé utiliser ta véritable identité. Ouais, mais bon. J'ai un ami qui s'est fait supprimer son compte parce qu'en fait il avait mis un nom de famille bidon, mais c'était son vrai prénom. Des leaves, oui, je pense qu'on va en rajouter quelques-unes. Hop, on va prendre Silence Prose, tiens. Non, pas Silence Prose. Le chêne, ça ira très bien. Mais ouais, j'ai un copain qui s'est fait virer de Facebook. Alors il dit, en fait, j'ai reçu un mail de Facebook comme quoi il fallait que j'utilise ma véritable identité sur Facebook, qu'il y avait, eu un rapport qui avait été fait sur mon compte comme quoi il n'était pas vrai. Et enfin, c'était pas mon vrai nom. Et qui demandait en fait un PDF de sa carte d'identité. Et il leur a envoyé un PDF à la con qui traînait sur son bureau et tout. Et 2 jours après, c'était supprimé. Et en fait, c'est quand quelqu'un fait un report sur votre gueule, comme quoi vous n'utilisez pas votre véritable identité. Du coup, j'ai mis Dawa alias Deathnook, parce que je n'ai pas d'idée. Bon, voilà. Salut KFC Manga. Enfin, je t'ai pas vu sur parler sur le live KFC. Avant. KFC. Ça me donne faim. Ouais. Monsieur, nous avons tous très faim. Ça te va les feuilles là, Sensei, tu penses que c'est bon? Pas trop quoi, comment les mettre en fait. Ouais, pas besoin de beaucoup. Pour en mettre un peu à l'extérieur à côté des. Hop là, à côté des. Après en dehors, on est quand même un peu en dehors de la forêt, donc du coup la végétation n'a pas pu pousser non plus des masses dessus. Du coup mon prénom c'est Dawa alias. Genre que mon Facebook ne repère pas le alias. Style, c'est pas ta véritable identité, mais c'est tellement flagrant sur le pseudo. Je m'appelle Dawa alias, voilà. Ah une photo de profil, je vais pas en mettre pour l'instant. Ok, Bon du coup il faut qu'on fasse encore des tentes. Sensei. J'arrive. Sensei, fais-moi des tentes. Tu peux les faire ici, je pense. On va peut-être retaper un petit peu, du coup, là. C'est ambigu, quand même. Tu penses que t'as la place, là? On va voir. Blablabla. Sinon, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont éventuellement un peu silencieux sur le live, que vous pouvez nous rejoindre dans l'équipe via les réseaux sociaux, donc NestarIMC sur Facebook et Twitter, pour rejoindre l'équipe de build, l'équipe de rédaction. Waouh, wow. Ah, carrément, tu fais des grandes tentes comme ça, toi. Tout ce qui fonctionne sur le serveur, qu'on est actuellement en train de construire un serveur MMORPG, et que prenez par contre le projet sérieusement. Je tiens à préciser tout de suite parce que sinon on sait qu'il va y avoir des couilles. Mais il faut prendre le projet assez sérieusement parce que voilà, on investit beaucoup de temps et d'argent dedans. Faut le dire aussi. C'est vrai que l'hébergement n'est pas gratuit. Donc
voilà. Le projet est quand même assez sérieux, assez gros, assez conséquent. Et on a envie de l'emmener le plus loin possible, donc voilà. Si jamais vous voulez candidater, ça se dit. Ça se dit. Oui, alors que oui. Et ben voilà. Il faut en avoir conscience. Si je peux me permettre, et on veut pas l'emmener le plus loin possible, on veut l'emmener jusqu'au bout. Sensei, tu vas vraiment faire 2-3 tontes comme ça? Enfin, je sais pas, moi j'imagine des petites tentes individuelles en fait. Mais c'est des tentes d'aventuriers, donc du coup c'est plus des tentes. Des tentes, des petites tentes quelque chose quoi. La référence. Terrible. Ah, tu voulais pas la grosse tente familiale? Non, je voulais la petite tente individuelle. La grosse tente familiale. Après, tu. Non, mais après, si tu veux faire une grosse tente dans laquelle on a tous les aventuriers qui traînent, ouais. Je suis perdu. Je sais pas comme tu veux. Mais du coup, une sacrée grosse tente, quoi. Ça fait bizarre dit comme ça. Énorme tente. C'est bizarre, hein. Passé 22h30, j'ai l'impression que tout devient ambigu. Ouais. Quoiqu'au début du live, on a fait pas mal non plus. Comment on va mettre ton éditeur à la page? Oui, perdu. Alors, excusez-moi, je vais faire un tuto pour Dawa. Donc, tu vas sur ta page. Je suis dans paramètres. oui, c'est paramètres, si, tout à fait. Et ensuite, tu as rôle de la page, c'est le cinquième onglet. Et bien, que toi qui peux le faire. C'est toi l'admin de la page. Ah, de quoi pour ajouter à qui? Mon autre compte. Ah bah oui, je peux te le rajouter. Je t'ai trouvé. Je t'ai ajouté en ami. Enfin, normalement. Non, faut que je découvre, faut que je le recueille sur l'autre. Nous faisons des choses passionnantes. Bon, le live se finit dans... 5 minutes. 5 minutes, ouais. Tu peux pas faire un copier-coller des tentes des militaires? Tu en les remodifies? T'as la flemme, hein. ouais, je vais y aller. Bah là, elle est moche, celle que j'ai fait, quoi. Je pense qu'on fera ça en dehors du live, parce que du coup, là, le temps que j'y aille... Y'a personne à qui se TP là-bas. J'hésite à aller courir demain matin. Merci de nous en informer, Tartas. Ouais, j'ai accepté ta demande d'amis. Hein? Oh mon dieu, je suis ami avec Haru. Vu qu'il y a du monde qui était pas là au début, on peut peut-être leur montrer le serveur pour la fin de... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir le reste du serveur plutôt que cette grande zone de marécage? Oui, parce que là, il y a pas vraiment une vision sur le serveur. Surtout qu'il y a pas masse de monde en fait, moi donc je pose la question tout de suite. Quelqu'un veut voir ça? Négrichon, merci de ta réponse. Hello Aspic. Du coup. Hop. Et oui. Je suis en train de regarder, ouais, c'est bon. Répète le choix, ben ou on fout rien pendant 5 minutes ou alors on fait le tour du serveur pour ceux qui n'ont pas vu. Gwen de Chine a l'air motivé à voir le serveur. Ouais. Aspic n'a qu'une seule réponse. Oh, qui se coule. Bonne nuit qui se coule. Voilà, c'est fait. Bonne nuit. Alors, du coup, on va retourner au spawn tout simplement. Tac. Hop. Donc, hop. Excusez-moi, j'ai oublié de vérifier un truc. Mais c'est bon. Du coup.
Pingouin, tant qu'il n'était pas là. Putain, je raconte l'histoire. Donc nous sommes ici sur le continent de Nestari, dont la capitale est Kronovale. C'est la seule ville actuellement connue actuellement construite et connue de ce continent. Continent Nestari. Qui semble vierge. Voilà. Et en fait, elle a été construite par des réfugiés. Putain, arrêtez de me couper, sinon je vais pas y arriver. Par des réfugiés en fait qui fuyaient la guerre, qui faisaient rage sur leur continent d'origine, l'Irok. Donc ils ont fui. Je suis pas chinois, qu'est-ce que je suis. Voilà, merde. Hein. Hop, c'est fait. Du coup. Ça y est, je suis perturbé, je suis complètement déconnecté. Pingouin, c'est en anglais, hein, Tartas. Du coup, les Nestariens se sont installés ici, enfin, les exilés se sont installés ici, sont devenus les premiers Nestariens. Ils ont fondé cette cité qui se voulait être un havre de paix, et ils ont commencé à explorer les frontières de ce nouveau monde, et ils ont découvert un autre continent qu'ils ont décidé d'appeler les Terres Sauvages. Les Terres Sauvages est en fait le lieu dans lequel vous pourrez effectuer vos quêtes, car en tant que nouveau Kronovalien, en tant que jeune Kronovalien, vous êtes recruté par la Guilde des Aventuriers pour aller explorer ce nouveau continent et découvrir tous ses mystères et les résoudre évidemment. Donc voilà. Donc ça en gros c'est ce qui s'est passé auparavant, enfin où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui s'est passé, enfin bon voilà, tout le bordel. Et pour vous expliquer en gros le fonctionnement même du serveur, dans les Terres Sauvages vous ferez les quêtes qui vous permettront de level up, vous aurez les donjons, vous aurez l'exploration en général, et en fait, magnifique boy de chunk, et en fait, sur Nestari, vous allez essentiellement avoir votre maison, les endroits où vous allez pouvoir marchander, donc commercer avec les autres joueurs, faire vos propres commerces, et également fonder votre propre cité par la suite, quand vous aurez suffisamment d'argent pour le faire. Voilà. Sachant qu'il y a également une section PVP qui ouvrira ensuite, en même temps que le serveur, mais dont on garde jalousement le secret pour le moment, pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas encore bossé dessus. Voilà. Non, en gros on a déjà bossé sur le lien, mais pas sur le... J'étais pas ban, j'étais juste time out. Parce que négro c'est raciste, déjà. En plus je suis pas nègre, enfin black. Le lien de la map, il n'y a aucun lien, c'est un serveur, actuellement. Qui est en construction. Du coup il n'est pas ouvert au public. Point avec une simple map. Voilà, là on est seulement à Kronovale, la capitale. Donc il y a beaucoup d'éléments intéressants, l'auberge pour les nouveaux joueurs, la guilde des aventuriers du coup qui sera votre point de départ pour les quêtes. Hello les coronets. Il y en a un qui se réveille. Voilà. Donc du coup, à Kronovale, vous pourrez vous installer, habiter dans une des nombreuses maisons qu'il y a. Il y a à peu près 100 maisons disponibles pour les joueurs. Donc voilà, je pense qu'il y aura la place pour tout le monde. Et vous pourrez ensuite partir en exploration vers les Terres Sauvages. Donc il y a la première région qui s'appelle Leyden. C'est la première des 7 régions connues des Terres Sauvages. Donc voilà, voici Leyden. C'est une paisible vallée où quelques aventuriers se sont installés ici, quelques marchands également. Et surtout la guilde des aventuriers qui représente l'autorité de Nestari et de Kronovale sur ce continent. Voilà. Non, c'est pas sur Epicube. C'est un serveur MMORPG qu'on développe à côté. C'est pas Epicube. C'est qui cet enfant? What? Je crois qu'on va arrêter le live maintenant parce que là, c'est bon, je suis blasé. Hurlons de marre, ça y est. Puis quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà. Du coup, Leyden, j'aime bien parce que les bugs de Chunk reviennent régulièrement au même endroit. Ah, c'est jamais au même endroit.
Et du coup, on a Nathan Wood que tu as pu voir tout à l'heure, Penguin, qui se trouve être une Dark Forest avec une partie marécageuse. Et donc, vous avez vu tout à l'heure ce qu'on construisait dedans. C'est la partie sur laquelle on bosse actuellement. Ça, c'est la magnifique maison en ruine qu'on a fait durant un live. C'était assez drôle. Assez drôle, ouais. Donc, on va se quitter là, les amis. Je vous donne rendez-vous samedi pour un nouveau live sur les aventuriers de Nestari. Ça se passera à 18h, par contre, pas à 20h30. Et demain soir, pour j'irai jumper chez vous avec LKG. Donc, on ira sur Hypixel et Epicube pour faire du parcours. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, je vous dis à samedi. Voilà. À samedi. Enfin, à demain pour ceux qui sont intéressés. Ouais, demain pour eux, à samedi pour moi. Et à samedi pour ceux qui sont intéressés par les aventuriers de Nestari. Sur ce, bye bye. Bye. Oh. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit, ouais.